Bon matin tout le monde! Comment allez-vous ce matin? Je suis contente de vous voir ce matin! Et on va continuer le beau Pokémon aujourd'hui. J'espère que vous avez toutes et tous votre café malgré le froid, encore une fois. On va essayer de passer au travers de ça. On a encore un petit peu jusqu'au mois de janvier, j'ai l'impression. Mais le printemps s'en vient. On va espérer qu'on va finir par se réchauffer un petit peu. Mais, ben, allô, Mario, ça va super bien. Moi aussi, merci. Donc, sans plus tarder, on va continuer ce qu'on a commencé mardi. Fait que mardi, pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux et celles qui n'étaient pas là, on avait commencé un Pokémon, Joltik, c'est un petit Pokémon électrique, en modélisation 3D. On a passé au travers de petits pépins, qu'il y a des fois qu'on essayait de faire des choses après le modèle, que ça ne fonctionnait pas très bien, on a recommencé. Ça fait partie du processus, dans le fond, de quand on fait du 3D. Pour moi, c'est rien de nouveau. Peu importe le modèle que je fais, j'ai toujours des pépins qui vont retentir, parce que justement, comme chaque modèle est différent, ben, veux pas, tu peux pas prévoir c'est quoi qui va se passer. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Et voilà, alors, comme promis, voici notre ami, où est-ce qu'on l'a laissé la dernière fois. Là, on va l'analyser un petit peu, voir où on en était. On avait réussi à faire les petits pics après les pattes. C'était ça, j'étais relativement satisfaite du résultat. Les deux petites mandibules étaient faites. La seule chose qui manquait un peu à arranger, là, je pense, là, c'est au niveau de la tête qui me semble encore un peu carrée ici. Fait qu'on va y arranger ça tout de suite, histoire d'y donner une petite rondeur un peu plus définie. Que ça soit un peu moins, t'sais, un peu moins coupé au couteau, comme on dit, là. C'est censé avoir une petite tête. C'est un peu comme une puce, right? C'est Joltik. C'est comme une puce, un peu plus gros. Ça veut rentrer dans la peau, peut-être. On va y donner une petite rondeur un petit peu plus poussée. Ça. On le voit là un peu mieux, là, déjà, là. Il n'y a plus l'espèce de bout de carré bizarre qui était là. Au niveau du côté, est-ce qu'on était bon? Pas tout à fait non plus. On va le rebaisser un petit peu et donner un look un peu plus pic. Comme ça. Comme ceci, comme cela. Et faire un nez qui a un petit peu plus d'allure. Là. Alright. Là, la dernière fois, quand on a voulu faire les pics, on avait essayé de juste l'extruder, de sortir directement du mesh d'origine, puis on se souvient, ça avait pas fonctionné très bien, n'est-ce pas? Fait, on va pas refaire ça pour les pics, parce que là, on a encore des pics à faire. On a ici la collerette au niveau de la tête, pour donner une petite définition. Puis on a l'air d'avoir des pics au niveau de plus l'arrière-train. Ben, on va faire comme la dernière fois. On va dupliquer notre Pokémon en bouton de droit. Fait que là, il est comme revenu à son espace d'origine, right? Fait que, on le voit très bien. Là, on va juste cacher le corps principal. Hop! Pour en avoir juste un. Là, on en a un. Comme ceci. On peut y enlever les pics d'après les pattes aussi. Hein? On essaye de travailler généralement avec le moins de gugus dans le moins de trucs dans le chemin. Fait qu'on y va avec juste le mesh de base. Et on va tout de suite le renommer, parce que là, ça, c'est on veut faire quelque chose d'autre avec. Fait qu'on va le renommer tout de suite. On va les appeler Spikes du Body. Personnellement, quand je nomme mes trucs, là, je parle souvent anglais, français, je parle les deux. Ça va arriver que je vais les nommer français, des fois anglais. Tant que tu te comprends dans ta scène, ça va bien. Celui-là, on va juste renommer pour être sûr Spikes. Legs, parce que c'est pas les spikes du body. Bon. Donc, à partir de là, on va commencer par définir c'est où qu'on va vouloir nos pics de la tête. C'est où qu'on va vouloir nos pics des fesses.
T'as l'air de vouloir être à peu près à cet endroit-là ici, je dirais, là. Ça. On dit que c'est à peu près là, fac. Puis ça va être à peu près aussi au niveau des fesses. Ça va être à peu près ici. On commence par voir sur notre modèle, c'est où qu'on veut l'avoir. Fait que là, on peut éliminer, comme l'autre fois, les polygones qui sont trop. Fait qu'on va commencer par éliminer les pattes. Les pattes, on n'aura pas besoin des pattes. On va enlever ça. Ça. Et de faire un job clean. Ah, ça a de l'allure. Hop. On ne veut pas aller plus loin que ça parce qu'on a besoin de la ligne qui est là, qu'on s'était dit. La ligne qui est ici. Enlever ça. Delete faces. Là, je sais, ça fait un espèce de rond bizarroïde. C'est simplement à cause qu'on a encore la subdivision d'activer. Ensuite, qu'est-ce qu'on enlève d'autre? On va enlever le devant. Comme ça. Contrôle plus. Moi, je veux me laisser une rangée de polygones au moins là, pour avoir quelque chose que je suis capable de voir. Ensuite, on avait dit la ligne qui est là, fait qu'on va garder la rangée de polygones qui est juste à l'arrière. Ça. On va ramasser ça. Contrôle plus. Delete. On va enlever ce qui est dans le milieu. Pas plus de besoin non plus. Regardez vraiment juste une rangée de polygones à l'avant puis à l'arrière. Hop. Pour les pics avant et les pics arrière. Faces. Et voilà. Fait que là, on a notre base de qu'est-ce qu'on a de besoin. On avait dit que c'était cette ligne-là qui est ici. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je veux y ajouter un loop de plus, mais le plus proche possible. Là, tu sais, on veut juste une petite rangée comme ça, là. On veut pas la grosseur au complet parce que le pic il est pas super épais. Parce que là, ça va donner notre épaisseur dans le fond. Et ça, à partir de là, là, on va pouvoir faire notre extrusion de ces morceaux-là. Comme il n'est plus attaché après le corps principal, ça dérange plus. On va, comme les pics la dernière fois, on avait extrudé et après ça, on a pu travailler comme on voulait. Là, comme j'ai plus de besoin de cette rangée-là, parce que là, ma rangée est diminuée. Pour enlever cette rangée-là. Hop. Hop, j'en ai un. On enlève ça. Et voilà. Puis là, on va faire comme l'autre fois, qu'il va falloir les extruder un à un. Mais là, on va commencer par voir. Ici, regardez les pics. Ils commencent pas en plein milieu de la tête, hein. Ils commencent vraiment là, un peu plus loin. Fait que là, celui-là, on peut le déliter. Puis, il va pas jusqu'en dessous non plus. Il a l'air d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 pics. Puis il va pas jusqu'en dessous. Fait qu'on va essayer d'y enlever là. Tiens. Là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 polygones. C'est parfait. On avait dit qu'il y avait 5 pics au niveau de la collerette. Tandis qu'au niveau du corps, là, au niveau du corps, il y a un pic dans le milieu qui va être un petit peu problématique, mais on va réussir à faire quelque chose avec quand même. Et après ça, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, peut-être. Et ça s'arrête au niveau des pattes, de ce qu'on voit là. Hein, si on suit à nos images, les pics ont l'air de s'arrêter au niveau des pattes. Fait que ça va pas jusqu'en dessous de la bedaine non plus. Hop. On va enlever ceux qui vont en dessous de la bedaine. On va enlever celui-là aussi. Là, on devrait rester avec 5 polygones. 1, je les vois pas tout super bien. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, quand je suis en mode sélectionner polygone, on voit le point dans le milieu du polygone. Fait que ça donne un visuel assez facile. Donc, on va commencer avec les pics du dessus de la tête. Nos 5 pics qui sont là. On va faire comme l'autre fois. Et là, j'ai fait bouton droit pour le remettre à sa place parce que je veux le placer selon moi. Je ne veux pas le placer n'importe où. Moi, je veux le placer à mon goût, à moi. Puis, le premier pic, on le voit, il est plus petit. Là, ça ne fit pas. Hein? Ça ne marche pas, notre affaire. Il n'est pas plus petit, il est plus gros. En fait. On va juste le rapetisser un peu. Comme ça. Donner l'impression vraiment. Puis on va lui donner une petite forme un peu plus pointue. Hop. Il est plus beau aussi. Je suis des pétates. Là. Voilà. On voit déjà
Hein, le pic est un petit peu plus, un petit peu plus d'allure. Ensuite, deuxième pic. On va faire la même chose. On va commencer par placer où ce qu'on pense que ça va être le mieux, à peu près. Parce qu'après ça, il va falloir aller le coller sur le modèle. Hein? On se souvient la dernière fois avec les pics autour de la patte. On l'avait placé après, on l'avait collé sur le rebord de la patte. Fait que ça va être un peu la même chose. On va le replacer sur le bord de la tête. Fait que donc, on a un petit pic, un gros pic, un petit pic, un gros pic, puis un petit pic. Fait qu'on va placer les points en fonction. Hop, ça. Un petit pic, un gros pic, un petit pic, un plus gros pic. Et un petit pic à nouveau qui va finir un petit peu en dessous de la tête. Donc là, on va pouvoir faire nos extrusions. Est-ce que je fais un bouton droit? Non, je ne ferai pas un bouton droit ce coup-là. Je trouve qu'il est dans un bel angle. Et la seule chose, on va le rapetisser pour donner vraiment un look un peu plus pointu. Non, finalement, à la place de ça, je vais y aller à la main. Parce que sinon, ça l'amincit en plus. Ça, j'aime pas ça. Je veux pas qu'il soit trop aminci, sinon, un crème, le pic paraîtra plus, là. Oh, puis là, on voit, là, regardez, là, des fois, quand on fait nos choses, de face, ça a de l'air super beau. Si je me tasse de côté, il est plus pantoute dans la bonne position. Et encore, de toute façon, il va falloir le replacer parce que selon les dessins, ils sont vraiment plus vers l'arrière, les pics. Ils sont pas comme un porc-épic, là. On va le faire après. On va les placer après. On commence par les extrusions. Je vais le placer dans le centre. On retourne. Pour bouger, là, si jamais ça vous tente d'en faire là, du 3D, là, pour bouger entre les vertex, les edges, puis les polygones, les hotkeys sur votre clavier, un, ça va sélectionner les vertex, deux, ça va être les edges, puis trois, ça va être les faces. Fait que là, moi, je bouge comme ça rapidement entre chacun pour être capable de... C'est dans le workflow, là. Pour être capable de bouger un petit peu plus. Donc, on a notre pic. À cause que j'ai fait le bouton droit, je l'ai quand même placé à mon goût à moi. Ça a du sens. Là, ensuite, on va faire la même chose. On va l'extruder. Bouton droit, on le cancelle. Puis on le replace à notre goût. Je vais donner vraiment un look qui a de l'allure. Lui est pas assez. Est-ce qu'on pourrait l'allonger un petit peu plus? Bon, on va lui donner un petit peu plus de définition. De toute façon, un coup avec la sous-division, ça va le rapetisser un peu, là. Ensuite, le cinquième pic. Hop. Bon, on casse encore. Comme ça. Et on rapproche pour former le pic à nouveau. Hop. Hop. J'ai pas accroché ceux de derrière, non. Là, faut que je fasse attention pour accrocher ceux qui sont derrière ici, hein. Là, si on regarde en mode sous-division, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la même chose que l'autre fois. Vous vous souvenez, la dernière fois, quand on avait fait ça, ça donnait que les pics, là, si on le voit, là, sont ronds dans le milieu. Nous, on veut pas ça, ça soit rond dans le milieu. On veut que ça soit vraiment, vraiment crisp, là. T'sais, on veut quelque chose de bien défini. La dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'il a fallu qu'on lui rajoute des edges dans la craque ici. C'est ça qui nous avait causé problème quand on avait extrudé directement du modèle. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de le faire séparé. Donc, on va aller chercher chacune des craques des pics. Hop. Hop. Et avec l'outil bevel, qui est là, on va y rajouter des edges de plus. Hop. Moi, j'aime ça avoir la troisième qui est dans le milieu. Fait qu'on va ouvrir le petit menu. Hop. On le met, puis là, je veux vraiment que ce soit crisp, parce que là, il fait comme une moyenne entre les deux. Fait que moi, je vais aller pousser ça dans le tapis, la shape, là, regarde, là, ça vient vraiment bien, bien renfoncé, bien crisp comme on le veut. L'autre chose qu'il fallait qu'on règle, si on se souvient bien, c'est d'enlever les handguns, parce que là, ça, c'est beau de faire ça, mais ça nous a encore créé des handguns. Qu'est-ce qu'on fait avec les handguns? On découpe. Pour avoir des faces à quatre côtés au lieu d'avoir des faces à 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Comment on va faire ça? Ben, simplement avec l'outil, on prend le couteau encore, on sélectionne le point, hop,
Enter. Et voilà, là, on est rendu avec nos faces à quatre côtés. On va faire des deux côtés du modèle. C'est un petit peu plus difficile à voir. Fait que ce que je vais faire, je vais sélectionner le point, puis je vais m'en rapprocher avec sur le numpad, le point sur le numpad à côté du zéro. Ça te permet de te rapprocher rapidement. Ça. Ça. Hop. B. Ah, même chose. Et là, je vois quand même bien. On est capable de sélectionner le edge plus facilement. Hop. Center. Hop. Center. La même chose là. On découpe là. Et on découpe là. Là, ça devrait être beau. On va s'assurer qu'on a fait les 5. Et 1, 2. Ah, j'en ai là. Ah. En fait, il y en a 4. 4 crevasses. 1, 2, 3, 4. J'ai fait les 4 côtés. Là, si on remet notre sous-division, ça donne la définition qu'on cherche vraiment. Pourquoi est-ce qu'on voit encore toutes les facettes comme ça? Simplement parce qu'on n'a pas fait de shade smooth à nouveau. On va en refaire un autre. Et ça fait quelque chose. Super cute, super beau, super lisse. Ça fit très bien avec notre Pokémon. Si on rajoute le main body, regardez, là, on commence à voir vraiment à quoi ça va ressembler avec les pics. La seule chose, c'est que là, il est comme on le disait tantôt, là. Regardez, là, il est pas collé sur le modèle, hein. Fait que là, ça, c'est la prochaine affaire qu'il va falloir qu'on règle. Mais avant de régler ça, on va faire les pics de la section arrière. C'est juste pour se donner une petite idée. Moi, j'aime ça regarder, là. Au fur et à mesure que je fais la job, j'aime ça regarder où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que ça donne, le résultat, si c'est satisfaisant ou pas, est-ce que je change quelque chose. Quand tu es satisfait, moi je continue après. Là, cette section-là, ici, on avait dit, ça prend un petit pic qui va être comme ça. Comment qu'on va le faire, celui-là? J'ai quasiment envie de sauter aux autres pics d'après, là, mais pour éviter ce problème-là, mais on va l'attaquer de front. Fait qu'on va commencer par essayer de faire une extrusion. J'aime pas dans le sens dans lequel il envoie, fait que moi, je le veux par en haut. Je vais le placer moi-même plus tard. Là, on sait, là, ça prend. Oh, c'est vraiment un petit peu, hein, fait que. Faudrait que les points, les vertex soient vraiment plus rapprochés que ça. Ceci. Là, on se souvient la dernière fois quand on parlait de faire les miroirs, il faut vraiment le laisser dans le milieu. L'image n'est pas tout à fait exacte. Moi, mes points, là, je sais qu'ils sont alignés avec mon centre. Fait que quand que je veux faire mon miroir après, on le voit, ils sont collés. Fait que je ne veux pas toucher aux points qui sont dans le milieu le moins possible. Fait qu'on va toucher aux points qui sont sur l'extérieur comme ça. Là. Là, on va essayer de faire un semblant de pic avec. On va jouer un tour. Ah, ben, vous voyez, ça marche quand même relativement bien. C'est un petit peu trop. On le voit, là, la coche, là. Fait qu'on va le mettre, là, vraiment. Bon, voilà. On a notre pic. Ça, c'est réglé. J'ai réglé. La seule chose, c'est que j'ai remarqué en faisant mon miroir que les lignes n'ont pas l'air d'être tout à fait alignées. Fait qu'on va aligner le tout. Ça. Ah, c'est aussi parce que, regardez, vu du dessus, là, ça nous colle, il est en angle. Fait qu'on va vraiment, là, le mettre plus droit. Voilà. Là, ça a d'allure. Et notre couture ici n'a pas l'air d'être faite non plus. Elle n'a pas l'air de vouloir se faire. Ah, non, c'est vrai. C'est parce qu'on a un polygone dans le milieu. Fait que comme on a un polygone dans le milieu, quand il va faire son miroir, il ne peut pas rattacher les points ensemble parce qu'il y a une face dans le chemin. On va l'enlever. Hop. Là, ça devrait exactement. Et là, c'est flawless. Là, ça a de l'allure. Smoothie. On va régler ça plus tard. La courbure, là. Bon, à cette heure, on peut sauter sur nos prochains pics. Là, j'ai un problème. Je me rends compte que les pics à l'avant, là, ils sont dans mon chemin de vue. J'aime pas ça. Ça me fait. Comme on dit.
Fait que je vais les enlever. Je vais les tasser de là. On va les séparer. Fait que j'ai sélectionné tous les polygones. Puis, on va les séparer. Et voilà, c'est rendu un objet en lui-même. Fait que ça va être les spikes. On va déterminer lesquels qui sont où. C'est ceux à l'arrière. Spikes body rear. Celui-là, ça va être les spikes du body front. Au lieu d'avoir 0.001 qui veut absolument rien dire. Là, on va pouvoir enlever les spikes du body qui sont en avant pour travailler visuellement, travailler avec nos spikes qui sont à l'arrière. Au lieu d'avoir plein de trucs dans notre angle de vue. Comme je disais l'autre fois, c'est toujours le fun de travailler avec un environnement qui est plus clean. Facile, tu vois mieux, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas. On va placer nos points. Au niveau de la grosseur des pics, on le voit bien. Le prochain ici, c'est le plus gros. Alors même mon premier pic, là, est un peu trop grand. Il faut qu'il soit quand même assez petit. Comme ça, on va le réduire. Okay. Ensuite, on va placer pour les pics comme ça. Là, on va même sortir le body principal pour voir où ce que la patte termine. Là, on sait, là, les pics, là, ils arrêtent à la patte, en haut de la patte ici. On le voit bien, là, mes derniers points ici sont vraiment trop bas. On va les monter. Juste au-dessus de la patte. La patte, elle se termine là. Et voilà. Là, on voit que les spikes ici, là, ceux-là, ils ont l'air d'être pas mal toute la même grosseur. Fait qu'on va essayer de les mettre à peu près à la même grandeur aussi. Ça, en suivant la courbe du Pokémon, mais on va le placer plus tard, ça. C'est juste se donner au moins une idée. Voilà. Fait qu'on va recacher le body maintenant, puis on va pouvoir extruder. Sortir. Pas les termes en français, honnêtement, je m'en excuse d'avance. J'ai vraiment toujours travaillé en anglais le plus possible, comme j'ai expliqué l'autre fois. À cause justement que les tutoriels, sur Internet, là, on va en trouver beaucoup plus en anglais qu'en français. Même, je sais même pas si j'en ai trouvé en français. Il n'y en a pas beaucoup contre 3D en français. Je laisse mes logiciels en anglais. J'utilise les termes en anglais. Facile. Là, on a vu, là, ce pic-là, là, il est vraiment plus gros que toutes les autres. Fait qu'on va y mettre une plus gros. On va les mettre plus gros. On réextrude celui-là qui est le prochain. On va placer ça. Hop. Il y a du troisième pic. On fait la même chose avec lui. Ouais. Si jamais dans le chat, il y en a qui ont des questions sur le 3D, il y a des techniques que vous avez de la misère, vous voulez que je vous montre des petites choses, moi j'ai aucun problème. Ça va me faire plaisir de vous aider. Dans les classes que j'ai déjà eues, c'est déjà arrivé que j'ai aidé mes collègues de classe. Il n'y a pas de souci. Interrompez-moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Là, de face, c'est super beau. Mais quand on regarde de côté, là, regardez ça, c'est pas beau. Mon pic est tout croche. On va le tasser ça. On va le mettre un petit peu plus droit. Anyways, comme on disait tantôt, on va le replacer après pour que les pics soient vraiment vers l'arrière. Ça, là, c'est vraiment la finition. Quand on fait la finition, vraiment, un coup qu'on a terminé de faire le modèle de base. Même souvent... quand on fait du 3D, on va essayer de faire le plus possible dans une position, tu sais, quand il est de face, t'es vraiment de face, fait que c'est plus facile de jouer avec les vertex, avec les edges, puis les faces, que si après ça, tu le tournes, puis là, t'essayes de le placer, c'est un petit peu plus complexe, fait que t'essayes de travailler le plus longtemps possible que tu peux, vraiment à 90 degrés, là, quelque chose de vraiment droit. Puis après ça, tu le tournes, puis tu le mets dans la bonne position un coup que t'es satisfait du résultat. Donc, là, on va refaire comme tantôt. Hein, on se souvient, tantôt, c'était quoi qu'il fallait qu'on fasse. On va commencer par allonger ça un petit peu. Je le trouve un peu mince. Hein. On va l'écarter un petit peu. Là. Ça, non, sur les Y. Oh, ça fera pas quelque chose de beau. Je peux pas. On va y aller à mi-terme. On va aller sélectionner les edges qui sont là, je trouve, un peu minces.
capable de sélectionner. Ça, c'est quelque chose, là. Tant que tu es en vue transparente comme ça, des fois, c'est difficile de sélectionner le bon côté, la bonne face que tu veux, parce que ça va pogner l'autre derrière. Mais bon, au moins, ça te permet de tout voir. On va juste étirer ça un petit peu. Ah ah! Là, c'est plus une feuille de papier. Il est beau et petit, le Pokémon, mais il n'y a pas des feuilles de papier sur son corps, tu sais. Voilà. Bon. Là, Esther, on va sortir le main body. Ah, non, c'est vrai. Oh, je suis mélangé un petit peu. Il fallait lui rendre ses pics plus crisp, comme tantôt. Ça. Sélectionner la mauvaise. Et voilà. Deux. Là. Non, celui-là de la fin, il n'y en a pas de besoin. Juste les quatre qui sont au milieu. Un, deux, trois, quatre. On cherche le bivel. On va mettre ça comme ça. On refait comme tantôt. Un segment de plus. On met ça crisp. J'ai l'air de l'avoir mis un petit peu trop loin. Fait qu'on va le réduire un petit peu. Ça. Parce que l'important, là, c'est que dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est quand tu fais une subdivision, pour garder les coins vraiment, vraiment plus carrés, au lieu que ça devienne comme un ovale, faut que tu y mettes des edges de plus. C'est comme des edges de support. Pensez un peu comme à une maison. Vous avez des bimes de support au travers de votre maison. C'est un peu la même chose pour garder les coins carrés. Sinon, la maison elle s'écraserait. C'est un peu la même chose. Quand on fait une sous-division, ça s'écraserait aussi. On essaye d'avoir les edges comme ça un petit peu plus rapprochés. Regardez, là, on voit vraiment la différence. Plus que je mets la distance grande, moins que ça devient crisp dans le milieu. Fait qu'on veut vraiment que nos edges soient plus rapprochés. Pas trop, mais on veut qu'ils soient plus rapprochés pour donner un coin un peu plus carré. Là, comme tantôt, on va devoir aller couper nos N-Guns. Je pensais qu'il était pour avoir un problème ici, parce qu'on voit bien avec la sous-division, ça donne quelque chose de laid, mais du moment, à cause que le miroir est avant, il va embarquer quand que je vais sortir du mode editing. Fait que là, on le voit qu'il est correct. Comme ça, puis là, avec la sous-division, c'est parfait. Des fois, là, de juste jouer au travers, là, c'est là que tu as une meilleure idée, là, de où tu t'en vas. Hop! On rapproche et on va commencer à faire de la découpe à nouveau. Pas super bien. Ah! Ok, c'est bon. Donc, on va découper ça. Hop! À côté. Encore une fois, on voit pas super bien la base parce que quand j'ai fait ma découpe, là, je l'ai vraiment mis bas. Mais c'est ça qu'on voulait, hein? On voulait que ça reste quand même assez crisp. Hop. Ah, si tu veux, je vais faire un côté, verrais ça, je vais aller de l'autre bord plutôt que de gosser entre les deux. Et rapprocher. On coupe ça. On s'en va de l'autre côté. Quand on veut que ça soit vraiment sur la ligne, il faut vraiment s'assurer que la ligne elle allume. Parce que sinon, là, ça veut dire que ton point, il va le faire à quelque part d'autre. Puis ça, là, tu te ramasses avec des vertex perdus. Ça marche pas non plus. Ça aide pas sur le modèle quand on fait des sous-divisions, quand on fait des miroirs, etc. Ça peut causer des petits problèmes. Donc, là, si on regarde le tout... Ah, on est quand même... Ça s'en vient vraiment bien, là. Il reste à smoother ça un petit peu. Là, comme nos pics sont faits, c'est crisp, c'est beau, on est rendu à l'autre étape de vraiment placer le tout comme faut, parce que là, il y a de l'air plus d'un porc-épic ou d'un autre type de... un axolotl ou whatever, les Pokémon qui ont des spikes vraiment en ligne droite.
On va commencer à y placer ça un petit peu mieux. Regardez, comme j'ai pas appliqué mes sous-divisions, là, c'est encore facile de pouvoir placer le tout parce que j'ai vraiment pas beaucoup de vertex. J'ai pas beaucoup de face. Donc, là, on va commencer par placer le bas pour qu'il soit collé sur le Pokémon. On va essayer avec l'outil de l'autre fois, voir si ça peut bien marcher. On va descendre ça. Non, regardez ça. Il s'en fout. On va y aller à la vue. Comme ça, on va le descendre. Là, quand on voit là, ça commence. Là, il est rentré dedans. On veut que ça rentre un petit peu dedans. Ça. Ça. Encore une fois, on essaie de le rentrer dedans. Pas trop. Un, deux. Pas la même chose avec l'autre. Hop. Ensuite, on fait l'autre là. Hop, il était loin, hein? Regardez, ça a été long avant que je le rentre dedans, là. Il était vraiment pas proche. Ça, on va le rentrer dedans. Celui, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop proche de la patte. Si on check, là, sur le côté, le pic, ben, il a l'air de rentrer dans la patte, mais ici, on le voit qu'il est vraiment à l'avant. Fac, on va le sortir un peu. Et il a l'air d'être vraiment rentré dedans. Hein? Non, il n'est pas rentré. Il était juste rentré par là. Là, notre autre pic, là, il est complètement rentré dans la patte au complet. Oui. Hop. Et voilà. Il donne okay, ses pics de sortie en avant de la patte. Et les autres, j'essaie de voir. Ils ont vraiment l'air d'être planté par en avant, mais après ça, ils sont par en arrière. Fait que c'est comme. On va y aller avec notre idée. On va voir, grosso modo, là. Je pense qu'on va les placer un peu vers l'arrière, comme ça. À part si vous, dans le chat, vous avez vu qu'ils étaient plus par en avant. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus par l'arrière. On va les placer un peu plus vers l'arrière, comme ça. Comme une collerette. Hop. Et hop. Là, ça a l'air d'être quand même bien sur le modèle pour faire. Les pics sont vraiment plus comme. Ben, ils sont parallèles. OK, il y en a un en bas. Plus. Ouais, il y a l'air d'en avoir un autre en dessous. Pourquoi est-ce que. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'ils seraient un petit peu trop haut encore? Okay, c'est parce que le gros pic serait censé être vraiment plus à l'avant de la patte ici. Là. Fait qu'on va le placer. On va les placer un petit peu plus bas. Ah, je sais, là, ça va être un peu tout croche, mais on va le replacer après. Ah, en fait. Pas vraiment. Oui, parce qu'en effet, le pic ici a l'air d'être vraiment plus en avant de la patte. Fait qu'on va le descendre. Vraiment aller chercher, là. C'est vraiment plus sur le dessus de la tête. On va étirer ça un peu. Ah. Ah. Regardez comment c'est le fun de pouvoir jouer avec ça comme on veut. Hop. Hop. On remet les pics un peu plus droites parce que ça dure. OK. Là, ça recommence à ressembler un peu plus. Là, évidemment, parce qu'on a tout bougé, il va falloir replacer les points parce que là, il y en a un qui est rentré complètement dans le modèle. Puis notre pic en bas est plus attaché au rebord. Hein, il est rendu là, il est complètement sorti. Parce que juste en tassant par en bas, mais là, il faut suivre la courbe. On va refaire ça. Savez-vous, on va ramasser les deux en même temps. Comme ça. Ça. De même. Il rentre dans le modèle. On va y arriver. Et tiens, on va le tourner un peu parce que là, on veut que ça suive quand même la courbe. Là. Là, la courbe, on la suivait plus vraiment. On va ramener son beau petit pixie.
On le tourne avec R, juste pour le mieux le placer. Ah, là, ça a plus de sens. On va faire la même chose avec lui. On va le remettre comme il faut. Si on regarde l'image à l'arrière, là, il commence quasiment au-dessus de la pâte. On pourrait le baisser. Ouais, ça reste une image aussi. Là. Et il va vraiment dans le milieu. Je ne suis pas tout à fait satisfaite de sa position. Comme ça. Lui, sa position. On va le tourner un petit peu aussi, parce que là, il n'est plus tout à fait dans le bon sens. Et voilà. Puis là, on va aller chercher les pics qui sont rentrés complètement dans la patte. On va les sortir de là. Sur le sens des Y. Et on va lui donner vraiment un look plus pic, parce que là, il n'est plus très triangulaire. Pas comme ça. Ensuite, on va aller continuer sur le petit pic qui est là. Hop. Celui-ci, on va le réduire un peu parce que là, le pic est petit, mais il est censé être plus petit encore. Ah! Lui aussi, on va y faire une petite rotation pour suivre la courbe de la tête un petit peu plus. Comme ceci. Hop! On est sur le pic. La tête. Et voilà! Là, ceux qui sont en haut, j'ai l'impression qu'ils vont un petit peu plus vers l'arrière. Ouais. Ils ne sont pas couchés sur son body, mais ils sont un petit peu plus vers l'arrière. On va les reculer un petit peu. Soleil. Oh, il me manque un point. Il faut prendre tous les points. Même le ratisser un petit peu. Hein? Notre Pokémon commence à avoir sa collerette qui est à l'avant comme ça. Là maintenant, on va lui faire la même chose avec les pics qui sont à l'arrière. Donc, on va sortir ses pics arrière. Comme tantôt, comme parce qu'on veut être capable de voir ce qui se passe, on va cacher les ceux du devant. On n'a pas de besoin. La seule chose dont on a besoin, c'est le corps. Fait qu'on va garder le corps. On va retourner sur les pics arrière, puis on va refaire comme on vient de faire avec les pics du devant. Hein, on veut essayer de les placer un petit peu mieux. Là, je vois pas super parce que on va cacher le corps. Fait que les pics, là, ils arrivent un petit peu au-dessus de la patte. On va commencer par ça. Les yeux, on va le tasser un petit peu. Là, on va. Il est un petit peu. Bon, plus d'allure. Ça. On va faire la même chose parce que là, il a vraiment l'air de faire ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça. Ouh, bon, ça reste hein, haussièrement. Là, on va refaire comme tantôt, le faire renfoncer dans le modèle. Parce que là, regardez, il est encore full tassé. Fait qu'on va le reculer dans le modèle, dans ce sens-là. Est-ce qu'il est encore pas pire à la bonne place? Je trouve qu'il y a de l'allure. On va trop le rentrer. Et on peut même le descendre un petit peu plus collé sur la patte. Là. Hop! Il avait l'air de vraiment être coller la pointe sur le haut de la patte. Fait qu'on va t'y arranger ça comme ça. Main. Le main. On va faire celui-là. Et lui aussi, complètement décollé du modèle. Hop, on le rentre. Et ensuite, l'autre là. Ça. Et encore une fois, décoller du modèle. On va le rotate un petit peu parce que là, regardez, il faut qu'il suive la courbe, mais dans ce sens-là. Je vais aller chercher l'outil ce coup-là.
Je veux juste le rotate dans ce sens-là. C'est à peu près égal. Puis là, je vais le remonter un petit peu pour voir la courbe du pic à l'intérieur. Ensuite, celui-là, là. On, encore une fois, on le recasse sur le modèle. Là, lui aussi, ça va être la même chose parce que son popotin, il est courbe, hein, il n'est pas plat. Sûrement que quand je vais essayer de le rentrer, il va rentrer plus d'un bord que de l'autre. Le rotate un petit peu, le tourner. Et ça, pour vraiment voir la définition. Ensuite, le trou qu'il a. La même chose. Un peu, petit point à petit point. On va devoir encore le tourner. Non, je ne vais pas désélectionner. Je veux juste. Hop. On le ressort encore un petit peu. Hop. Et le dernier. Et là, on veut vraiment le bouger là, sur le axe des Z. Et on va se fier aux deux points qui sont là dans le milieu parce que à cause que le miroir n'est pas activé en mode comme ça, quand on est en mode Edit, le miroir n'est pas activé. Fait qu'on va se donner, on va se baser juste sur les deux points qui sont là. On va le tourner encore un petit peu lui aussi pour qu'il vienne à côté dessus. Hop! Regardez, là, c'est vraiment bien. Là, quand je vais sortir du mode Edit, il va être parfait. La dernière chose qu'il va rester à faire, c'est de reculer les pics parce qu'il n'est pas porc-épic. Hein? Les pics sont vraiment plus vers l'arrière. Bon. Restez à placer ça. Placer les pics pour qu'ils soient vers l'arrière. Hop, hop, hop. Bon, est-ce qu'on les fait trois, les quatre en même temps, les cinq en même temps, ou on les fait un à la fois? Je pense qu'un à la fois, ça serait plus judicieux de le faire un à la fois. On va étasser un à la fois comme ça. Là, on va essayer que la surface qui est là, là, elle reste à peu près dans la même direction. Comme ça. Ah, parce que pointe vers l'arrière. Parce que là, si on tasse trop comme ça, là, ça va amincir encore plus le pic. On veut pas ça. On veut garder l'épaisseur. On va faire un pic à la fois. On veut quelque chose de beau. Là, on le tourne pour qu'il soit plus vraiment placé vers l'arrière. Comme ça. Celle-là, on va le reculer. Celui-là, si on check, là, je l'ai fait trop long. Vraiment trop long. On va le raccourcir. Pas censé être aussi gros que lui qui est là. Et encore moins que lui. Fait qu'ils sont censés s'en aller comme un crescendo. Ah. On va le tourner à nouveau, comme ça, pour que la face soit vraiment plus vers là. Garder notre épaisseur. Quatrième pic. Lui, il n'est pas tout à fait bien placé, hein. Vous le voyez, là, le polygone que ça donne sur le top, là. Pas fameux. On n'aime pas travailler avec des formes tout croches. On veut travailler avec des formes qui sont relativement droites. J'aurais ça, sinon, ça donne des résultats désastreux. On va le baisser. Regardez comment est-ce qu'il est amincé, là, à cause que j'ai pas rotate, j'ai pas tourné. Tourné pour aller chercher plus d'épaisseur. Ah, il est censé être plus long aussi, n'est-ce pas? Il était plus long. Hein? Et le dernier. Et lui, il va être un petit peu plus complexe parce qu'on se souvient, c'est un polygone à quatre côtés qui est ici, qu'on a transformé en triangle. On a joué un petit tour. Lui, il va être un petit peu plus complexe, mais on va y arriver. Allô Eric, c'est bien correct. Merci pour ton lurk. Merci d'être là un matin. Bon travail à toi aussi. Pendant ce temps-là, je vais continuer de faire le petit Pokémon. Petit Pokémon pour notre ami Shiro the Alchemist qui va faire partie
une partie de Donjon Dragon 5e édition, mais dans le monde des Pokémon, peut-être? Quelque chose qui ressemble à ça? Ah! Regardez ça si ça s'en vient, là. Hein? On commence vraiment à avoir une impression de Pokémon. Ça en vient vraiment bien. On va juste le baisser un peu parce qu'il a l'air... il sortait encore un peu de... de la vue. Et voilà. Regardez-moi ça si ça en vient beau. Ça c'était le backup qu'on avait gardé. Les spikes des jambes. Voilà. Hey, il s'en vient vraiment beau. Le moment que tout le monde attend. Je sais, on faudrait qu'on fasse les yeux, mais je pense que pour le moment, on va se faire plaisir. Le moment que moi, je préfère le plus d'entre tous, mettre de la couleur. J'adore mettre de la couleur sur mes modèles. J'adore mettre de la couleur sur mes modèles. Fait que je vais me gâter. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait avant toute chose? On va sauvegarder. Puis, je vais sauvegarder une deuxième fois, mais cette fois-ci en incrémentant mes sauvegardes. Parce que si jamais il y a quelque chose que je fais qui arrive, le fichier est corrompu, whatever, il va avoir déjà au moins ça qu'on a déterminé. Il va être safe. Là, ça va être vraiment le moment qui va être le plus plaisant. Puis, comme on veut pas vraiment se badrer de faire les UV, parce que, tu sais, le Pokémon, on s'entend, il y a pas de texture de poil, il y a pas de ligne dedans, il y a pas des patterns dans la couleur. On veut vraiment une couleur bien basique qui est jaune pour ce Pokémon-là. Donc, on va simplement assigner les textures, les couleurs aux endroits qu'on a de besoin. On va commencer par la collerette. Regardez donc ça. Ça va-tu être le fun? Puis on va aller créer la première couleur. New. On va renommer. Pokémon Yellow. Ou tiens, Joltik Yellow, comme c'est Joltik Yellow. Puis on va aller chercher le jaune. Est-ce que je suis capable d'aller chercher le jaune qui est sur la photo? Et voilà, j'ai été chercher le jaune qui est sur la photo. On va lui donner un petit peu de subsurface. Subsurface, ce que ça fait, c'est que dans le fond, c'est un objet qui est organique. Quand la lumière rentre dans la peau, il y a une certaine, tu sais, c'est un peu comme si vous mettez votre main en avant d'une flashlight. Là où il y a beaucoup moins de peau, on voit au travers un peu le rouge, la lumière qui passe au travers. Fait que dans le fond, le subsurface, c'est un peu comme imiter ça. Fait que les endroits qui sont un petit peu plus minces, la lumière va passer un petit peu au travers, tandis que les autres, ça le fera pas. Donc là, la surface de la subsurface color, généralement, ça va être un peu comme nous autres. À l'intérieur, quand on regarde, c'est rouge. Pokémon, on va dire que c'est jaune. Pas tout à fait sûr de sa couleur. Ça va juste donner un petit feeling un peu plus organique. Alors, pour voir nos couleurs, parce que là, c'est bien beau. Ah, mais là, Artemisia, c'est encore tout en gris. Ouais, mais je l'ai pas mis en coloré encore. Voilà. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis en coloré, c'est parce que ça va demander un petit peu plus au processeur. Ça va demander... ça va laguer un peu. Regardez, vous voyez, là, quand je bouge, là, ça fait des points tout partout parce que là, le moteur de rendu, il essaie de me faire un rendu avec les ombres, la lumière, etc. Fait que généralement, là, c'est pour ça quand on fait le modeling de base, on se met en mode viewport shading, qui est simplement un gris basic pour pouvoir vraiment garder toutes les ressources, garder ça le plus fluide possible. Fait qu'après ça, on tombe en mode couleur. Ensuite, donc là, c'est ça. Fait que là, on peut continuer de mettre la couleur. On va mettre les pics arrière de la même couleur. Comme on l'a déjà, on peut simplement aller le chercher. Regardez ça, c'est le fun. Hop, et voilà, il est rendu jaune. On va faire la même chose avec les pics d'après les pattes. On va les mettre jaunes aussi. Et voilà. Et le Pokémon en lui-même, comme la grosse majorité du Pokémon est jaune, on va le mettre en jaune aussi. Bon, ça commence à être pas pire. Ensuite, on a du bleu. Fait que là, c'est là qu'on va venir en mode edit pour aller chercher les polygones qu'on veut changer de couleur particulière. Là, c'est les griffes. Hein? Les griffes, là, sont bleues. Puis, il va falloir qu'on fasse la même chose avec la bédaine parce que la bédaine est brune. Donc, on va aller chercher les griffes. Moi, pour être capable de bien voir, je vais me remettre en View Shading Mode pour être capable de bien voir les sélections que je fais.
Parce que en mode rendu, comme cela, display render preview, tandis que l'autre, c'est, je suis désolée, c'est display in solid mode, de la visibilité en mode solide. On va se mettre en mode solide pour mieux voir, parce qu'on voit pas super bien quand on sélectionne comme ça. On va remettre comme ça. Contrôle plus une fois. Aller chercher la griffe en elle-même. Là, ici, je vais y changer, moi, y mettre un nouveau matériel. Que là, je vais faire le petit plus. Nouveau. Là, on va dire Joltik. Spikes. Non, c'est pas les spikes. Ce serait les griffes. Griffes en anglais. Claws. Claws. Joltik Claws. Puis là, on va aller chercher le même bleu. Base color. On va aller chercher le bleu qui est là. T'as pas voulu. Ah! Parce que j'ai pas pris la pipette. Voilà. On prend la pipette. On va chercher le bleu. On met un petit peu de subsurface. Si on n'aime pas ça tantôt, puis qu'on se rend compte que ça donne pas le résultat qu'on veut, on va le changer. La star que j'ai faite, ça. Le Pokémon, est-ce qu'il serait luisant ou il est pas luisant? Selon moi, il doit pas être si luisant que ça. Il est à 0,5. Il n'est pas métallique, chose qui est sûre. On va jouer avec ces settings-là après. On va commencer par le mettre de la couleur. Donc, assign. Là, on va voir est-ce que ça l'a bien donné ce qu'on voulait. Spikes, legs. Je pense qu'on va le mettre une coche de plus. Assign. Ah oui! Là, ça va vraiment chercher la griffe au complet. On va mettre ses spikes après ses pattes. Puis on va aller faire la patte arrière, comme tantôt. On va réenlever les spikes de ses pattes. Aller retourner en mode solide pour aller bien sélectionner ceux-là, ces polygones-là. On assigne la couleur, on revient, et voilà. On a la couleur que nous désirons. Ensuite, on va y faire la bédate. Là, vous l'avez bien vu, les images. L'image d'en bas, là, si j'essaye d'aller regarder ma bedaine, là, ça ne marche pas super. On va l'enlever. Juste pour être capable d'y voir le bidon. Là, on va déterminer, ça va être lesquels polygones qu'on va aller chercher pour aller chercher son brun. On commence par créer le matériel. Tiens, pourquoi pas. Ça va être déjà fait. On va aller chercher la bonne couleur. Hop! Bonne couleur à nouveau. Voilà, subsurface comme ça. Là, on va essayer d'aller chercher, ça va être lesquels polygones. Parce que quand on fait une sous-division, comme ça sous-divise toute le mèche au complet, un coup qu'on applique la couleur, on ne sait pas trop ce que ça risque de donner. Fait qu'on va voir comme ça. Je pense que sa sous-division est pas. Oui, sa sous-division est activée. Fait qu'on n'a pas vraiment de rondeur, hein? On se rend compte, puis c'est pas encore assez loin non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a un peu de rondeur sur la bédaine? Parce qu'on n'a pas vraiment travaillé la bédaine, hein? Donc, pour lui donner, ben c'est soit ça, ou soit que je commence à aller jouer dans les V, commence à aller jouer dans les textures, peinturer, dadada, tente pas trop. Donc, je vais aller voir sa bédaine. On va aller voir ce bédane, puis je pense qu'on va y faire quelque chose de plus simple. Je vais simplement prendre les polygones qui sont là, parce qu'on a une rondeur qui est ici. On va se servir de ça. On va faire une extrude. Et qu'on va scaler down. On va enlever ceux-là qui sont dans le milieu ici, parce qu'on n'est pas intéressé. Commencer. Hop. On va tasser ceux-là. Regardez là, on la voit la belle rondeur que ça va donner. On va aller le mettre là vraiment sur la ligne le plus qu'on peut. Est-ce qu'il est parfait? Parfait. Ça risque de causer un problème au niveau de du miroir. Fait qu'on va reprendre nos points du centre. S, X, 0, Enter. Puis là, ils sont tous alignés. Ça. Maintenant, on va retourner sélectionner les polygones qui font notre bonheur pour faire la rondeur. Ah, si on enlève ça, là, on le voit bien.
Là, je viens de me rendre compte qu'il y a les fesses renfoncées pour une raison que j'ignore. Je pense que. Ah, non, c'est vrai, la raison qu'on n'ignore pas, c'est parce qu'on a fait un scale. On va y refaire sa rondeur de bedaine. Comme ça, on va l'aplatir un petit peu. Quand on a fait notre scale, t'sais, on a extrudé, on a scalé à l'intérieur, mais ça scale vraiment sur tous les axes. Autant le X, le Z que le Y. Ouais, quand que je l'ai faite, ça l'a un peu modifié le mesh, mais là, c'était. Voilà, on a réussi à régler le problème. On revient comme ça. Puis là, ce coup-là, on va remettre la couleur. Notre but d'origine, c'était ça, hein? C'était de mettre de la couleur. On va assigner ça. C'est encore carré. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va placer les points. On va simplement placer les points en fonction pour que ça soit moins carré. Et nous autres, là, on n'aime pas ça quand c'est carré. On aime ça, une belle rondeur. On le dit souvent. On va aller chercher les points qui sont problématiques, puis on va simplement les bouger. Donner vraiment un petit peu plus de rondeur à notre modèle. Comme ça, on remet la sous-division. Non, c'est pas super beau, mais regardez, on va jouer avec comme ça direct pendant qu'on est sous-divisé. Est-ce que ça va fonctionner? On va jouer avec les deux. Il veut rien savoir, hein? Continue de me donner quelque chose de. Puis j'aime pas ça avec les points. Bon. Rien à faire avec. Il veut pas. Et où mon point là qui est là? Oui? Hey, Chuckies! Bon matin à toi aussi! Merci de venir me rendre visite. C'est vraiment apprécié. Comment vas-tu ce matin? Est-ce que ton char a décidé de fonctionner? Comme certains, probablement que ça n'a pas fonctionné avec le froid glacial. Ça va très, très bien. Je te remercie. On approche déjà de la fin de faire ce petit Pokémon-là. Il restait ses yeux à faire. Mais j'ai décidé de lui donner un peu de couleur. C'est mon petit cadeau à moi de moi. C'est mon dada d'y mettre de la couleur. Tu vas découvrir cet après-midi si ton véhicule fonctionne encore. Ben, je souhaite que oui. Malgré le froid. On commence tout à être tanné. On va espérer que ça finisse par nous lâcher un jour. Ce froid-là, c'est vraiment désagréable. Là, ce que j'essaie de faire. Ouais, vive le Québec. Il y a des fois où ce qu'on aura envie de peut-être de s'en aller un peu dans le sud, des fois, hein? Si j'enlève une sous-division. Non, ça change absolument rien. Excusez-moi, pardon. Ah, j'avais un chat dans la gorge. Ou un poil dans la gorge, peu importe. Qu'est-ce que tu fais de bon ce matin, mon cher Chuckies? As-tu beaucoup d'ouvrages ce matin ou est-ce que c'est relax pour toi? Rien à faire avec la courbe de ça. Il veut pas. Je pense que je vais essayer de faire simplement un autre, comme tantôt, là. On va y faire un autre extrude. Il a l'air de vouloir me rendre la vie difficile le matin. On va y faire un autre extrude. Un autre scale. De quoi tu parles? C'est le fun, le froid. C'est pas parce que je pogne un coup de vent que je me ramasse enflé et creusé comme le Grand Canyon que c'est pas plaisant. Non, c'est en effet pas beau à voir. Si vous pourriez voir Mario quand il revient d'aller dehors à ce froid-là, c'est ouf. Allergie au froid dans un pays comme dans notre pays, dans notre province comme le nôtre. Pas génial. On va ranger ça dans le milieu parce qu'en faisant encore un extrude, je me suis encore ramassée à défaire ma ligne. Ouais, non, c'est vraiment pas drôle. Ça y enfle même les yeux. Il se ramasse les yeux tout boursouflés des fois. Hier, il était rendu un peu à la Kim Kardashian. Il avait des belles bobines. C'était super beau, mais pas plaisant pantoute pour lui parce que ça lui fait mal. Veux, veux pas. Non, c'était pas beau. Bon, là, est-ce qu'on va réussir ce qu'on veut faire une fois pour toutes?
J'arrive pas à voir pourquoi est-ce qu'il continue de me faire un coin. Anyways, je pense que, tu sais, la bedaine, c'est pas ce qu'on va voir le plus. Tu veux me ressortir? Il y a déjà des belles babines, là, mais là, avec le froid qu'ils font enfler en plus, là, c'est pas des plus géniales. Disons-le comme ça. On va essayer d'y remettre ça en jaune. Voir si ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis? On est encore tout croche. C'est ça qui me dit. Pas capable de faire une rondeur à mon. Ouh, ah, ça s'en vient. Et si je baisse un petit peu plus. Ah, c'est satisfaisant. Ah. C'est pas tant que je veux, mais ça a fait mal hier. Je suis dans un pic d'allergie. C'est pas l'allergie la plus le fun au Québec avec les froids qu'on a. Puis on dirait que ça fait exprès cette année, là. C'est vraiment des froids de canard. Quoique même les canards, ils ont de la misère à l'endurer, là. Nous, on habite proche d'une rivière, puis à tous les hivers, on a des canards qui se font nourrir par la population. Fait. C'est exactement la même chose pour toi, mais ce n'est pas par le froid. Non, c'est assez spécial comme ce type d'allergie urticaire comme ça, là. Je ne voudrais pas être dans vos souliers. Dieu merci, j'ai pas ce type d'allergie-là. Un peu d'eczéma, mais ça s'arrête là. T'sais, je veux dire, j'ai rien de grave là. Pas comme ça, disons. Ah, comment ça. Ah, oui, là, ça commence à ressembler à ce qu'on veut. Voilà. C'est un petit peu mieux. Ah, le but de toute la patente, c'est juste de réussir à y faire une courbe ici. Hop. Réussir à faire. De bien. Ah, l'autre coin en haut. On va faire la même chose. On va l'étirer un peu. C'est ça la clé du succès. Avoir une belle courbe. Oui, mais toi, c'est tout le temps. Moi, le printemps, j'ai un break jusqu'en décembre l'année d'après. Voilà, en ce moment, en plus, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que l'hiver cette année est encore plus froid que d'habitude. Comme on avait des froids les années passées, mais pas qui duraient sur une longue période de temps comme ça, me semble, dans mon souvenir, là. Ah! Ben là, je suis satisfaite. Là, c'est plus quoi? C'est plus carré, ça a pas de l'allure. Voilà. Donc, notre Pokémon est rendu qu'à de la couleur. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? Ben, il manque le principal, là, des yeux pour pouvoir voir quelque chose. Oui, mais moi, je peux quand même contrôler ça. Il paraît plus rough parce que l'an dernier, il a été très doux. Ah, c'est possible. En effet, c'est possible. C'est vrai, l'hiver passé, il me semble qu'on n'avait pas eu beaucoup de neige non plus. Un peu comme cet été, on n'a pas eu beaucoup de pluie. Là, on y goûte. Plus. Là, on va sauter sur les yeux. Comment est-ce qu'on va faire nos yeux? J'ai deux façons que je pourrais le faire. C'est soit que j'intègre les yeux directement au visage, aux mèches de mon Pokémon, ou je les mets à part. L'affaire, c'est que si je l'intègre dans le mèche de mon Pokémon, après ça, c'est que si je veux les faire fermer, ça prend vraiment plus de définition pour réussir à avoir une belle fermeture des yeux. Si on check, mettons, les Pokémon dans les jeux, on voit pas vraiment, tu sais, c'est comme juste, oups, oups, tu sais, je veux dire, un clignement, c'est rapide. Simplement, comme si c'est juste une face, ça pourrait être comme quelque chose que je fais réduire le scale à zéro sur les Z que j'ai déjà fait. Puis ça rouvre, ça donne l'impression que l'œil rouvre.
Donc, dans ce cas-là, ça ne prendrait pas beaucoup de polygones. Pas besoin de faire une déformation de la mort. Fait, je pense que je vais aller vers cette approche-là plutôt que de devoir faire des déformations autour des yeux, Let's go! plein de... Ah bon, merci Chuckies pour ton host. C'est vraiment apprécié. Tu m'as un peu fait faire le saut. C'est la première fois qu'on en a un. Ben, que moi j'en ai un. Donc, on va dupliquer à nouveau le Pokémon. Là, lui, on va l'appeler à les ailleurs. Eyes. On va enlever le reste. J'oublie tout le temps. Ben, c'est pas plus grave que ça, mon Chuckies. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de soucis. C'est déjà super gentil à toi de nous faire un saut. Là, on va, comme tantôt qu'on disait, quand on se remet à travailler, hein, on enlève le plus qu'on peut pour garder le minimum. Puis, on se remet en mode solide pour que ça bouffe moins de mémoire, que ça soit plus facile au programme de faire ce qu'il a besoin de faire. Et on va enlever, on va cacher les pics. Les pics sont complètement inutiles. Et on va enlever les pattes également, parce que les pattes font pas partie de la face. Et on va enlever ça. On peut même enlever une partie du body. On va enlever une bonne partie du body même. On va enlever ça. Hop, l'œil. Là, hop, hop. On va essayer d'enlever la totalité de toutes les. Quand on a une rangée de polygones, là même, on essaie d'enlever le tout. Je pense que c'est un overstatement de dire que j'ai joué à Stardew Valley. Ouais, le programme Wish, lui, il dit ce que t'as fait la dernière fois. Fait comme la dernière fois, c'est ça que t'as joué, ben, et voilà. As-tu aimé ça au moins jouer à Stardew Valley, Chuck? Tu penses-tu en refaire à nouveau avec Freddy puis Thanato ou. Là, je vais enlever trop de. Non, on va enlever ceux-là. Enlever ces polygones-là. Ça nous laisse plus grand-chose, hein? Ben, on peut faire une extrusion. On va extruder une rangée de plus parce que là, de même, au moins. On va faire une extrusion. J'adore, mais je ne pense pas que c'est un jeu qui se stream bien si tu veux prendre le temps de jaser. En effet. Il y a des bouts que tu manquais, disons. Mais c'est des choses qui arrivent. J'imagine, tu sais, comme moi, la première fois. Comment? Tu as essayé, c'est ça qui compte. Oui, en effet. Mais oui, j'imagine que des jeux que tu as besoin de regarder un peu plus qu'est-ce que tu fais, c'est comme plus difficile de joindre ça à faire. À faire de la discussion avec tes viewers, là. Hey, regardez, on commence déjà à savoir un semblant d'yeux. C'est-tu pas magnifique? Merveilleux. Là, ça se peut que vous entendiez mon fils qui est à côté, mon petit coco de 4 ans. Désolé d'avance. Il aime ça faire de la lutte. Puis là, ben, je pense qu'il regarde des vidéos de lutte où il fait de la lutte avec ses bonhommes. T'as rien compris? Ah, t'as rien compris au jeu de Stardew Valley, d'accord. Honnêtement, je pense pas que ça va être ma tasse de thé pour moi. Mais c'est correct. On a tout un peu chacun nos préférences. On va baisser ça, histoire d'y mettre un œil à la bonne place. Et? Parce que là, il n'y a pas les yeux aux bons endroits. Il a besoin d'un œil là. Comme ça. Hop, il fait un petit œil un petit peu en ovale comme lui. Là, par contre, ces yeux-là, j'aurais pas le choix de leur faire de leur faire les UV. Femme comme bonjour. Ou play, par exemple, mes yeux sont un petit peu loin des profils, là. On s'entend qu'ils sont pas pantoute à la bonne place. On va ressortir, hein, le main body. On va essayer de placer ça. Un UV! Non! C'est vraiment pas un rayon de soleil, un UV. Le UV, dans le fond, c'est
la façon que ça fonctionne, c'est un modèle. On va y aller pour avec quelque chose qui a plus que deux polygones. Là. On va y aller, mettons, avec le main body. Les UV, dans le fond, c'est là, en ce moment, on voit un modèle qui est en 3D, right? Mais pour être capable de mettre de la texture dessus, il faut qu'on le déplie un peu comme un dé. Si on pense à un dé, tu sais, mettons un D6, il y a six côtés, mais il faut que tu puisses le déplier. Puis là, comme c'est un cube, ben là, t'as comme. Mais je sais pas si vous avez sûrement vu ça dans vos choses. À l'école, quand on déplie un cube, ben là, t'as six carrés qui sont dépliés. Puis ça, c'est en 2D. Fait que là, ce que ça permet, c'est qu'après ça, parce que pour pouvoir mettre la texture, il faut que tu mettes la texture en 2D que tu appliques comme du 3D. Ou tu peux penser aussi à un chandail. Donc, quand on fait un modèle, généralement, là, j'en ai pas fait beaucoup de UV parce que les UV, on va utiliser ça vraiment plus pour une texture que c'est pas lisse. C'est qu'il va avoir un grain de bois, qu'il va avoir du carotté, qu'il va avoir des fleurs, des patterns et compagnie. Mais quand que tu veux utiliser une couleur qui est super basique, qui a zéro grain dedans, aucune texture autre, c'est vraiment juste jaune, t'as pas besoin de faire l'UV. Mais quand tu tombes, comme mettons justement les yeux ont un pattern vraiment plus précis. À part si je réussis d'une autre façon à. Ouais, j'aurais une autre façon, mais c'est ça. Généralement, quand que tu commences à avoir un peu de texture de même, si mettons je veux garder le minimum de définition, je vais faire les UV. Puis dans le fond, ce que je fais quand que je fais les UV, t'en viens en mode UV comme ceci. Et c'est que là, tu découpes littéralement. C'est un peu comme si tu prendrais ton chandail. Tu sais, ton chandail, il n'est pas en 3D sur toi de base. Hein? C'est un morceau de tissu sur une table que tu découpes aux bonnes places, que tu assembles ensemble. Puis après ça, tu peux te mettre le chandail sur le dos. Ben, un UV, c'est un peu la même chose. C'est que tu vas aller découper aux endroits stratégiques pour faire les coutures pour après ça être capable de déplier ton tissu sur la table pour pouvoir faire tes textures dessus. Ben, non, c'est pas, ça vient pas du soleil. Je prenais pas de coup de soleil aujourd'hui en faisant des UV. Il n'y a pas de danger avec ça. Mais comme je disais tantôt, pour le body, le corps, très bien expliqué. Ben, j'aime ça expliquer. Depuis que je suis toute petite, ma mère, elle disait que j'aime ça expliquer. Mais j'adore ça. Même pendant mes cours, surtout mon deuxième cours que j'ai fait, je ne veux pas me vanter, mais des fois, ce que j'expliquais mieux que le prof, puis que c'est les autres élèves qui me le disaient. C'est pas mes paroles, c'est les leurs. Parce que on faisait de la modélisation, justement, ça, de faire le modèle de même, on faisait de la modélisation, puis l'autre prof était pas bon, on le dira pas trop fort. Fait que c'est moi par bout qui me montrait plus. C'est moi par bout qui montrait plus les trucs aux autres. Désolé pour ça, on a eu un appel d'un ami. Un ami à Mario qui voulait jaser de Warhammer. Probablement. Donc, c'est ça. Fait, quand j'étais à l'école, dans mes cours, j'ai toujours aimé expliquer. Pour moi. Donc, c'est ça. Fait que là, pour revenir à nos yeux, j'aurais deux façons de procéder. Ben là, c'est sûr, ils sont pas bien placés. Fait que ça, il va falloir que j'y replace. Et j'ai un chat qui a décidé qu'il voulait de l'attention aussi. J'ai deux façons que je pourrais procéder. Soit que, dans le fond, si je veux m'éviter de faire l'UV, après, comme tantôt, je mets un petit peu plus de polygones, j'assigne une couleur en particulier au polygone. Bonsoir, we call that a night. Je pense que je vais aller pour ça. On va y aller comme ça. Je vais juste faire une duplication. Hein? Je vais dupliquer mon modèle pour me garder un backup. Fait que si jamais je fuck la patate, je vais avoir encore de quoi à travailler dessus au lieu de recommencer à zéro au complet. Fait que là, je me suis fait un backup de mes yeux. Puis je vais gosser avec mes yeux, voir comment est-ce que je vais régler mon petit problème. Comme tantôt, je disais aussi, une chose qui est comme intéressante à travailler avec, si tu veux avoir de la facilité,
c'est vraiment de travailler sur quelque chose de vraiment plat. Fait que, tu sais, il faut que ça soit soit tout sur les Z, soit tout sur les X, soit tout sur les Y. Quelque chose de droit. Puis, à partir de là, on travaille. Fait que là, je vais commencer par enlever mon miroir. Parce que je suis pas intéressée dans mon miroir en ce moment. On va enlever la sous-division aussi. Puis, je vais vraiment placer là. Oups, là, je vois plus rien. Parce que j'ai appuyé sur un bouton qui fait la peau. Ah, on va repopper mes images. Bon. On va se remettre en mode comme ça. Puis là, je veux que tous mes points soient sur la même ligne. Alors, on va commencer par ce polygone-là. S, Y, 0. Ça les met à plat. Regardez. Ah, ça fait quelque chose de beau. On va faire la même chose avec lui. S, Y, 0. Et là, c'est à plat sur les Y. Les Y qui étaient dans ce sens-là. Là, je vais faire la même chose dans ce sens-là aussi. Je sais que je l'avais placé tantôt pour faire la forme de l'œil, mais là, je ne veux pas faire ça dans le moment. Je veux vraiment aller chercher une belle forme. Pareil comme l'autre chose que je vais faire, je vais y mettre vraiment là, un par-dessus l'autre pour être capable de les travailler exactement dans le même sens. Là, on va faire la même chose. On va les mettre vraiment droit. S, X, 0, ça le met droit. S, X, 0 dans le sens des X. On va faire la même chose dans le sens des Z qui est en hauteur. S, X, 0. On va faire la même chose avec ça. S, X, non, ça c'est Z. S, Z, 0. À nouveau, S, Z, 0. Celle-là avec celle-là. S, X, 0. Et les deux derniers, SX0. Donc là, je travaille avec un carré, un vrai, ben, un rectangle. Mais c'est tout des trucs à 90 degrés. Ça va aller beaucoup mieux pour travailler après. Là, si je fais une sous-division directe comme ça me donne une belle forme. J'adore la forme que ça me donne. Est-ce que je veux avoir moins de division pour le moment? Non, je pense qu'on va être capable de travailler avec ça. Donc, puis là, je veux être capable de voir les sous-divisions. Parce que là, quand il est en modifier comme ça, on ne voit pas les sous-divisions. Hein? On voit encore juste les morceaux de base. Moi, je les veux. Là, je suis prête. Je veux les sous-divisions. Donc, on va appliquer le modificateur. Là, regardez, on voit vraiment la sous-division. Ça va super bien. À partir de là, je veux juste le tasser parce que je veux travailler à côté. On va le remettre après sur l'axe des X, l'axe des Z, dans le milieu. Celle-là. Et là, je veux travailler là-dessus. Fait que là, ce que je veux, moi, je veux vraiment avoir la rondeur ici de la pupille. Je pense que je vais faire la même chose avec l'autre d'en haut en plus petit. Et je veux la pupille du milieu. Ça, le blanc représente la luminosité. La lumière sur un objet, dans le fond, qui est vraiment brillant, right? Parce que les yeux, en règle générale, t'as la lumière qui arrive dessus, ça va faire de la lumière. Mais là, parce que je suis en 3D et non en dessin, moi, je peux me fier sur l'environnement dans lequel que je vais faire mon rendu qui va donner la réflexion que je veux dessus. Fait qu'on va pas faire le rond blanc, parce que le rond blanc, ça va être vraiment la lumière de mon environnement qui va être déjà là. Fait que j'ai pas besoin de faire le rond blanc en plus. Fait que donc, je peux aller juste faire l'iris puis la pupille. On va aller là. Fait que je vais enlever mes polygones qui sont là. Hop! Les faces. Non, je veux que tu dissolves les faces. Est-ce que je vais être capable ou ça voudra pas? Non, on se tue finalement. On va faire une extraction avec un S. Bon, là, il l'a en double. Ça marche pas notre affaire. Bon, extraction. S. Qu'est-ce que tu me fais ça là? Là, j'ai un dédoublement. Vous voyez là? Ça là, c'est un dédoublement. C'est pour ça que ça fait un espèce de truc funky de même. Il m'a pas aimé. Il a décidé de me faire. Ah! Parce que je l'ai en double. Et ce serait pour ça que j'ai un double là-dessus au courant. Hop, 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 hop. Non, il n'est pas doublé pourtant. Donc, comme j'ai, on a un dédoublement du moment que ça a l'air que je fais une extrusion. Il décide de me faire un dédoublement. Comment est-ce qu'on va régler ça? Ben, sais-tu?
pense qu'on va le garder. Ça va lui donner une petite rondeur en même temps. Je pense que ça va faire quelque chose de beau. Pas sûr. C'est pour ça qu'on a fait un backup. On va faire une petite subdivision là-dessus. Regardez, là, ça donne vraiment l'impression qu'on dirait vraiment un petit œil. Ça va faire quelque chose de smooth, ça va faire quelque chose de glossy. J'aime l'idée. Fait que je vais le garder. On va juste cacher la sous-division parce que notre idée de base, c'était right, de faire une pupille avec ça. On va juste le réduire un peu plus. Donner vraiment l'impression que c'est vraiment plus une pupille. Ils l'ont mis vraiment en... Non, c'est dans le milieu, ça. Je l'ai pas mis en bas partout. Je suis bien peut-être. Là, on avait à cause qu'on on a pris le mesh du body, puis il a pris comme tous les matériaux qu'il y a déjà d'appliquer sur le body. Là, par exemple, nous, il va falloir qu'on crée deux matériaux de plus pour le noir, pour le bleu, mais qui vont être qui vont avoir un certain gloss dessus pour vraiment que quand la lumière va réfléchir dessus, ça va briller. Et là, en ce moment, le roughness est à 0,5. Fait que c'est pas brillant, mais c'est pas super rugueux non plus. Il n'y a pas de porosité là-dessus. Ben, là, on va créer un nouveau matériau pour commencer. Nouveau. Là, ça va être... je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Fait qu'on va appeler ça une pupille. Si jamais vous savez ce que c'est en anglais, une pupille... Salut, gueule de bois. Oui, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon électrique, le petit Joltik, J-O-L-T-I-K. Et c'est, il est pas plus gros que, dans le fond, une grosse tarentule dans le monde de Pokémon. Une pupille. Alors, c'est une pupille. Merci beaucoup, Chuckies. Alors, c'est une pupille. Et là, on va enlever les autres matériaux. En eux autres, on n'a pas de besoin. On va les enlever. Ah non, c'est parce que je suis en edit mode. Je ne veux pas que je les enlève. On va enlever les matériaux et on va garder vraiment ceux-là qu'on a de besoin. On a besoin d'une pupille. Pupille. Oui, je suis sur Blender. C'est un programme que j'ai découvert. Il est gratuit. Parce que les autres programmes de modélisation, si tu essaies d'aller avec ZBrush, ah, c'est pas loin de 80-90$ par mois pour être capable de l'utiliser. Ou sinon, il faut que tu payes une licence perpétuelle. Mais c'est, ils font le nouveau programme. Oui, t'as bien compris. 80$ par... Me semble que c'est 80-90$ par mois. Et ils n'ont pas de plan pour les étudiants. Mais de toute façon, je ne suis plus étudiante non plus. Mais oui, c'est 80-90$ par mois. Ou si tu veux la licence perpétuelle, je pense qu'elle est 1000$. Si je ne m'abuse, aux dernières nouvelles, quand j'avais checké, la licence perpétuelle est 1000$. Mais ils font un nouveau programme, une nouvelle version à chaque année. Fait que t'as beau avoir la licence, est-ce que tu peux l'upgrader par après? Aucune idée. Ensuite, 3DS Max, Maya, c'est gratuit quand t'es étudiant. Pas génial, mais du moment que tu l'es plus, ben c'est encore une autre subscription mensuelle. Un peu comme tous les programmes Adobe. Une des raisons pourquoi j'essaie de m'éloigner un peu des programmes Adobe, puis j'essaie de trouver des alternatives qui sont gratuites, parce que je pense que vous le savez, commence à payer pour Adobe, commence à payer pour 3DS Max Maya, commence à payer, et ça serait du 200-300$ par mois juste pour être capable de faire de la modélisation, rentrer dans ton argent après, ouais c'est ça, ben ouais, vive le open source. Mais Blender, tu vois, je l'ai découvert de base, le pire c'est que j'ai fait deux cours, right? J'ai fait un cours en août 2018 à décembre 2019. J'avais un collègue de classe à ce moment-là que lui, il m'avait parlé de Blender justement, puis il avait commencé, à la fin du cours, il avait dit « Ah, je vais aller vers Blender, c'est gratuit, etc. » J'étais comme « ça me tentait pas trop, puis bon, je boquais un peu parce que c'était gratuit, j'étais pas trop sûre, en tout cas. » Enfin bref, après ça, la pandémie est arrivée en mars 2020, parce que je voulais, dans le fond, je voulais continuer de builder mon portfolio, parce que t'as beau sortir de l'école, ton portfolio est pas super bien rempli. Fait que décembre de janvier 2020 à mars 2020, j'avais commencé à faire mon portfolio, probablement mon R2D2, tu l'as déjà vu. Ah ouais, effectivement, Adobe Suite avec 3DS plus ZBrush, là, oublie ça, c'est du 300-400$ par mois, puis là-dessus, ben, tu sais, si t'as pas de contrat, ben... Fait, puis si, mettons, comme je disais, tu veux builder ton portfolio, ben, tu payes 300-400$ par mois pour être capable de builder ton portfolio, enfin bref.
Ça coûte quand même assez cher. Fait que là, c'est ça. Fait que là, après ça, la pandémie est arrivée. Là, évidemment, tout a crashé. Le système, tu sais, tout ce qui était jeux vidéo, etc., tout a fermé. Mario avait même un ami, une connaissance qui travaille dans le domaine des films. Que même lui, si c'est une méchante grosse boîte, superviseur, toute la patente, il a perdu son emploi, lui aussi, amongst all the others. Fait que c'est comme. Essayer de se trouver un emploi dans le domaine, c'était pas évident. Après ça, t'as le gouvernement du Canada ou du Québec qui a annoncé des bonifications dans les bourses, etc., pour des prochains cours. Fait que j'ai décidé de faire un deuxième cours parce que mon premier cours, c'est vraiment plus jeux vidéo. Des levels, pour dire en anglais. Faire des levels, faire plus du cartoon, right? Fait que, puis moi, je trippe film animation depuis la sortie de Toy Story, le tout premier. Fait que là, après ça, j'ai vu que le collège auquel que j'allais ont sorti un programme pour faire de l'animation 3D pour les films et le jeu, et le cinéma. Cinéma et télévision, pardon. Puis, fait que là, je me suis dit, ben, comme j'ai pas vu beaucoup. L'animation, le rigging, l'animation dans mon premier programme, j'ai à peine effleuré la surface. J'avais vu comment mettre un squelette juste pour donner une pause, mais bouger, oublie ça. Puis j'avais pas vraiment vu les rendus plus réalistes. J'avais vraiment vu, tu sais, comme les rendus dans les engins de jeu, que c'était encore un peu plus cartoon à ce moment-là, parce que mine de rien, c'est fou, mais en 2 ans, ça l'a quand même évolué assez vite. Puis, fait que là, j'ai décidé d'aller vers ça, vers justement, de faire la télévision puis le cinéma. Fait que je me suis en allée là-dedans, là, j'ai découvert Maya. Je me suis vraiment améliorée au niveau. Moi, j'ai vu une grosse, grosse différence, là. Justement, j'avais commencé mon R2D2 dans 3DS Max pendant mon premier cours. Après ça, pendant mon deuxième cours, quand je suis rendue avec Maya, là, j'ai décidé de transférer mon modèle de 3DS Max à Maya. Puis j'ai continué de travailler dessus dans Maya pour le perfectionner. J'ai continué de travailler avec Substance Painter pour pouvoir. C'est un autre programme pour faire la couleur sur le modèle. C'est uniquement que pour la couleur. C'est pas un bon programme, mais la beauté de l'histoire, c'était avant Substance Painter avec Substance Alchemy, avec Substance Designer qui était complètement une firme à part. Et devine quoi? Qui a été acheté par Adobe. Fait qu'il est toute la série au complet de Substance est toute rendue dans Adobe aussi. J'étais un peu fâchée. Ça veut dire une autre subscription à part de toute la suite Adobe. Fait que non. Fait que j'ai découvert Blender pour faire une histoire. Je sais, j'ai été loin pour revenir. Fait que j'ai découvert Blender. Puis Blender, moi qui voulais pas au début, tomber en amour avec, parce qu'il fait tout, tout, tout. À date, là, j'ai ben justement mon dernier emote que j'ai fait pour Mamselle J. J'ai tout fait au complet dans Blender. J'ai fait le modeling, le texturing, l'IV, le rigging, l'animation, le rendering. Tout a été fait dans Blender. Puis j'ai découvert aussi qu'il y a du monde qui ont littéralement fait des animated shorts de A à Z dans Blender. Ouais, exactement, ce petit emote-là. Il paraît pas. La seule chose que j'aime un peu moins de mon emote, parce que je suis tellement critique envers moi que même si le monde le trouve écœurant, moi, j'y trouve des défauts, là. C'est parce que dans le fond, ça paraît pas tant, mais elle a des headphones sur la tête. Mais parce que ces headphones étaient noirs, je les ai mis noirs pour que ça soit pareil, puis ça paraît pas vraiment, je trouve, personnellement. Puis, parce que son chandail fétiche, c'est un chandail noir, justement, qui est dans le cou ici, puis après les bras, puis là, encore une fois, ça paraît pas énorme. Est-ce que ça paraît plus sur la version Twitch Lite? Parce que moi, je suis tout le temps en version Twitch Dark, le Team Dark. Mais ça, encore une fois, oui, c'est ça, il est petit comparé au vrai modèle, parce que dans le vrai modèle, en 112 par 112, on voyait vraiment un peu plus les écouteurs, le chandail. Mais dans le fond, c'est comme ceux qui ont, mettons, ils ont les emotes qui popent en plein milieu, là, pendant le stream. Quand tu le vois dans le milieu de l'écran, ça apparaît un peu plus, mais en petit emote de même, on le voit
pas tant là, les écouteurs, le chandail, etc. Fait que moi, ça c'est mon côté perfectionniste à moi qui. Je suis pas satisfaite, disons. On va le dire comme ça. Je suis pas 100% satisfaite. Fait que pour revenir à nos moutons, on va continuer les yeux. Iris. On va mettre en blue. On va aller chercher le bleu de l'iris de Pokémon. Le roughness, on le drop à zéro parce que c'est un œil, hein? Fait que c'est complètement lisse, c'est comme mouillé un peu. Regarde, on voit un peu ici, là, ça va donner vraiment un effet plus glacé. On va aller chercher le même bleu, comme ceci. Encore une fois, un peu de subsurface. Si on n'aime pas ça, on risque de l'enlever si ça ne donne pas ce qu'on veut. Oui, c'est ça, quand on va, parce que Chuckies puis Tiranui, quand on met des emotes, ils paraissent vraiment dans le milieu de l'écran, puis on les voit qui bondissent un peu plus. Mais quand ils sont vraiment en petit, ça paraît vraiment moins. Donc là, on veut voir où est-ce qu'on s'en va, hein? Parce que là, à date, là, on a notre iris qui est dans le centre. Mais là, tout est en noir. Puis là, la pupille, on ne l'a pas réduit le roughness non plus. Là, ça a de l'allure. Ça soit vraiment glacé. Regardez l'effet là que ça donne là. Là, on le voit. Fait que tu sais, l'espèce de spot lumineux artificiel qui est là, on le verra pas. Ça va être vraiment la lumière de l'environnement qui va le donner. Mais là, on veut l'arranger qui est à l'extérieur pour le mettre en bleu. Ah! Et voilà, on est rendu avec un œil. On va aller faire la même chose avec l'autre d'en haut. Comme ceci. On va faire comme tantôt, on va se remettre en mode modélisation. C'est fait exprès. Hop, 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 hop. On va y refaire un extrude. On va rentrer par en dedans. Comme tantôt, on va le sortir. Parce que sinon, ça fait des polygon overlap. Pour ceux qui. Si vous vous demandez un peu c'est quoi, dans le fond, c'est deux polygones qui sont vraiment exactement chevauchés parfaitement. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça dans des jeux vidéo. Moi, j'ai déjà vu ça. Un espèce d'effet bizarroïde de même, là. Vous vous promenez dans l'environnement. Hein? Comme ça, là. Des fois, vous vous promenez dans l'environnement, là. Vous marchez, là. Vous avez l'impression, là, que, oups, il y a comme des lignes de même, là. Simple comme bonjour, c'est parce qu'il y a deux polygones un par-dessus l'autre. J'ai vu ça dans Arc. Fait qu'on le ressort parce qu'on veut pas de polygone overlap. C'est non. C'est mauvais. C'est le mal. On va faire la même chose comme ça. On va se remettre en couleur. Aller chercher l'arranger à l'extérieur. Assigner. Et voilà, on est rendu avec nos yeux. Là, nos yeux sont beaux, sont parfaits, on les aime. Là, on va faire même des tests tout de suite, voir si mon idée va fonctionner. Mon idée, ce serait de le faire blinker simplement en réduisant le modèle, en l'écrasant sur les Z rapidement, puis en levant comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donnerait. Ben, on va se faire du fun un petit peu, hein? Pourquoi pas être là puis se faire un peu de fun. On va appliquer une clé. Là, on tombe dans de l'animation. Mais on ne veut pas tout. On veut vraiment juste au niveau des Z. On va avancer dans le temps un petit peu. Et non, ça, c'est une rotation. Artemisia, regarde ce que tu fais. C'est pas la bonne place. C'est dans le ciel qu'il faut aller. Ben, on va mettre une clé dans les Z. Oh. Aller un petit peu plus loin, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Si je le réduis à zéro, hop, ça paraît plus. Il a comme disparu. Insert single keyframe. Il a comme disparu. Et on le remet à 1. Parce que c'est possible que je doive les séparer. L'œil du haut avec l'œil du bas, c'est possible que je doive les séparer parce que là, ils sont encore ensemble. Right? Ah, je t'apprends à essayer d'écrire. Qui ne voulait pas. Insert keyframe. Voilà. Donc, comme les deux sont ensemble, est-ce que ça va donner. Bah, bourque! Ça donne pas ce qu'on veut, hein?
C'est pas tout à fait ça. On va déléter les keyframes. All of it, please. Clear keyframes. Puis, on va séparer nos yeux pour qu'ils soient vraiment indépendants l'un de l'autre. Ça, on va s'en aller en mode modélisation à nouveau, transparent. Puis, on va faire comme tantôt. On va prendre l'œil du haut. Puis, on le sépare. Fait que là, on va leur donner des noms. Hein? Moi, j'aime beaucoup donner des noms. Encore une fois, pour être clean, fait que eyes small. L'autre, ça va être le eye. Non, ça, c'est pas celui-là. Le eyes small, ça, c'est le gros, big. Et le eyes small. Comme ceci. Là, on va faire le test. On va essayer avec lui. Où est-ce que ça va se réduire? Est-ce que ça va fonctionner? Non. Parce que regardez là, mon point d'origine de mon modèle, il n'est pas dans le centre, il est ici. Hein? Quand on veut le bouger, là, il bouge par rapport à là et non au milieu du modèle. Fait que peu importe ce que j'essaie de faire au modèle, il va bouger par rapport à là. Fait qu'il faut que je centre mon point d'origine dans le milieu de la surface, de la masse du truc. Fait que là, si j'essaye de faire ça, ça va vraiment donner l'impression qu'il se ferme. Hop. Là, ça fonctionne. Là, on va faire le test. Le fun. Insert single keyframe à nouveau. On le remet à zéro ici. Hop. Insert single keyframe. On le rouvre. Là, il va être un peu slow, là. Ça va aller plus tard. Là, ça va vraiment donner l'impression que l'œil. Oh, on peut même faire play. Hop! Et il ferme! Fait que mon idée d'origine, qui est de prendre un modèle à part, au lieu d'essayer de tout déformer la face au complet, on fait juste déformer l'œil, puis il va se fermer. Fait que quand je vais vouloir me mettre à animer mon petit Pokémon, donner une petite pause, peut-être qu'il cligne des yeux. Ben avec ça va être facile. La seule chose, c'est sûr qu'il va falloir que je m'en fasse deux. Hein, parce que là, techniquement, selon notre image, l'optique, il y a deux yeux. Deux petits yeux. Deux gros yeux. C'est un peu comme une bibitte. Les bibittes, ils ont plus d'œil. Là, on va faire la même chose avec l'autre d'en bas, juste pour se rappeler de le faire. On va centrer le point d'origine dans le milieu. Puis ça va faire la même chose. Insert single keyframe. À nouveau. Zéro. Insert single keyframe. Je pourrais le mettre en mode automatique parce qu'il y a une option de mettre en mode, de mettre les keyframes automatiques du moment que je bouge quelque chose. Mais là, il va mettre des keyframes sur chacun des canaux. Moi, je le veux pas sur le X, le Y. Je le veux vraiment juste sur Z parce que c'est de haut en bas. Je le veux pas ses côtés. Je le veux pas de face derrière. 2 fois 2 égale 4 yeux. Oui, exactement. Il y a 4 yeux. Puis là, on va voir. Regardez si ça fait beau. Ah ah! Il va fermer ses petits yeux. Wouhou! Fait qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Il reste cette heure à le placer. Le body. Alors. Il y a un petit peu les yeux pour la bonne place. On va essayer d'y mettre des yeux à la bonne place. On va devoir se remettre en mode solide au minimum, puis en mode transparent. J'ai ça pour mourir, mais que voulez-vous? Je veux voir l'image en arrière. On va aller chercher nos yeux. Voilà, on va commencer à les positionner à la bonne place. Ça. Là, on va prendre le gros. On va y faire une rotation. Pour qu'il soit à la bonne place. Puis, il faut aussi le mettre sur le modèle. Parce que là, ben beau, là. Mais, il est un embarqué par-dessus les mandibules. Fonctionne pas. Deux, j'aime pas la forme que ça y donne. Est-ce que tu es comme ça? Ah! Parce que j'avais pas activé la sous-division. Fait que ça y faisait une drôle de shape.
Je pourrais même là, pousser un peu plus, mais là, on le verra pas tant. Donc là, on va essayer de le mettre là, vraiment pas dans ma mandibule, le moins possible. Où est-ce que tu l'as, ton œil, mon grand? Ah, tiens donc, on va aller voir sur le côté. L'image du côté a l'air de vouloir être un petit peu plus appréciable. Là, il est rentré dans le modèle. Ça marche pas non plus. Va falloir que je le tourne. Là, je le tourne. On va le tourner. Là, pour aller avec la courbe du Pokémon. Ça, c'est une tâche un petit peu plus fastidieuse parce que c'est vraiment là, la définition. Hey! Salut Arrow! Comment ça va aujourd'hui? Je suis contente de te voir avec moi. Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui, mon cher Arrow? De continuer de faire du 3D parce que Arrow est un ancien collègue de classe avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Super bon. Lui, il aime beaucoup faire. Me semble la dernière fois que je l'ai vu faire un modèle, il avait fait un beau casque de Mandalorien. Oui, tu travailles en ce moment, oui, je m'en doute. Mais est-ce que tu as continué de faire du 3D? Ça, je me demande. On va juste donner une meilleure courbure à celui-là parce que je trouve que la courbure est pas à mon goût. L'œil. Là. Ah. I guess que je pourrais pas m'en débarrasser complètement. Enfin bref. Là. Juste essayer de tasser un petit peu. Ça. Pas tout à fait, mais bon, je pense que ça a de l'allure. Il est un peu séparé, mais là, si jamais je fais ça comme ça, est-ce que ça paraît? Ah, pensez-vous que ça a de l'allure de même pareil? Il manque lui, là? Mais techniquement, c'est parce que j'ai l'impression que c'est les pinces qui sont un petit peu trop hautes sur le modèle comparé au dessin. Ah non, pourtant, il faudrait que je le base un petit peu plus sur l'image de côté. On va mettre comme ça. Allez, chez lui. Et en effet, il a l'air d'être un petit peu trop bas. Je serais plus ici. Il est rentré dans mon modèle encore. Je veux tester le marché des NFT et donc j'ai créé deux genres d'artefacts. C'est bien. Personnellement, j'irai pas là-dedans. Les NFT, je trouve pas que c'est pas pour moi. Simplement. C'est bien à toi si tu as envie d'essayer. Je te souhaite du succès, honnêtement. Si ça peut fonctionner, écoute, why not, coconut, qu'ils disent? Je te souhaite que ça fonctionne pour vrai. Bon! Moi, je les ai vus, tes petits NFT. C'est pour ça que je veux tester. Ça peut rien donner aussi, ouais. Ce que j'ai un peu de misère avec l'idée des NFT, c'est de dire que dans le fond, de l'art numérique deviendrait un peu comme la toile d'une Joconde. Je peux comprendre. Mais, tu sais, je suis pas défaitiste. Je suis pas. Tu sais, je sais que c'est dans les jeux vidéo pis tout. Mais mettons qu'il arrive un jour où ce que. Je sais pas, moi, le numérique prend le bord ou whatever. C'est pas comme quelque chose. De... Moi, je suis quelqu'un qui aime toucher à mon art, tu sais. Ah, j'ai une peinture, je l'ai dans les mains, elle m'appartient, elle prend de la valeur, oui. Mais j'ai de la misère à me mettre dans la tête qu'un truc numérique prenne de la valeur comme une toile, comme une œuvre, comme une sculpture ou whatever. J'ai de la misère un petit peu avec ça. Est-ce qu'on va se ramasser au point que, genre, exemple, Artemisia, je pourrais, ça deviendrait un NFT? Je sais pas. C'est spécial comme truc. C'est juste que j'ai de la misère un peu à comprendre le concept, vraiment, de ça. On va placer le deuxième œil, qui est vraiment en croche. On va le placer. Hop! Surtout que certains se vendent des milliers d'or. Ben, c'est ça!
C'est ça que j'ai de la misère à me comprendre. C'est ça, c'est un peu. Je sais que c'est une drôle d'analogie, là, mais c'est un peu comme le gars dans sa salle de bain qui a découvert que son mur de Jeep Rock, on dirait qu'il avait la face de Jésus dedans, s'est vendu une fortune aussi, tu sais, des milliers de dollars. Ou l'autre avec sa toast, que quand il l'a toasté dedans, ça vaut. Je comprends pas. Désolée, c'est peut-être moi qui trop obtus, je sais pas, mais j'ai de la misère à comprendre le concept. Vraiment. Mais bon, garde, moi je te souhaite que ça fonctionne pour vrai, là. Si t'es capable d'aller faire un petit peu d'argent avec ça, je pense que personne va cracher sur un petit 100 pièces d'effet ou whatever, là. Vraiment pas. Là, mon œil renfonce en bas ici. On va le tourner un petit peu. Même 10 $, tu serais content. Ben, en effet. Regarde, si est-ce que dans le fond, ça va être. Dans le fond, c'est un peu un objet que si, mettons, quelqu'un met un montant dessus, ça y appartient, mais après ça, lui, il peut le revendre à plus cher, I guess, aux enchères. Mon œil, là, je suis pas capable d'avoir la rotation que j'ai. Là, je pense que ça s'en vient. Là, on veut pas y aller trop dans le parfait non plus. Qu'est-ce que ça dit si on y met un peu de couleur? Boum. Y a des yeux! Est-ce qu'ils sont la bonne shape? Est-ce qu'il faudrait que lui soit un petit peu plus tourné? Qu'est-ce que vous en pensez? Lui est vraiment dans cet angle-là. Je pense que lui aussi aurait besoin de tourner. Un brin plus, comme ceci. Ah. Excusez. Ben, bonne journée, Arrow. À la prochaine. Je suis vraiment contente que tu sois passé. N'hésite pas. Je vais essayer de faire du 3D le plus possible mardi, le jeudi matin, de 9 h à 11 h. Je sais que c'est tôt. Mais après ça, ben, il y a plein de choses de la vie qu'il faut qu'on fasse aussi. Hein? Je peux pas en faire à longueur de journée jusqu'au tard le soir. Mais puis éventuellement, ben, je vais probablement commencer à streamer des jeux vidéo. Il y en a un qui m'intéresse bien gros, qui est Hogwarts Legacy. Il peut sortir bientôt. J'aimerais ça. Zelda, le prochain. Oui! Mais c'est ça. Pour dans le moment, je fais du 3D, mais down the line, peut-être faire des jeux vidéo aussi. Et par là, ce qui se passe avec Blizzard et tout. Là, en ce moment, je les boycotte à cause de toute cette histoire-là. Ouais, Zelda, ça sera sûrement pas avant la fin d'année. Malheureusement, ça fait trop longtemps qu'il y a eu un Zelda. Mais, hey! Tu sais pas c'est quoi que j'ai décidé de me poigner, de m'acheter un petit ocarina, un vrai. Je vais commencer à jouer de ça. Fan fini de Zelda. Nerd à fond, que voulez-vous? C'est ça. T'en as une aussi. T'es-tu capable d'en jouer un petit peu? Ça va-tu bien? Là, on va. Bah, pas grand-chose. Ouais, c'est de la faute à Andy. Je sais pas si tu connais Andy de Frenchy Arrow. C'est une musicienne québécoise qui est sur Twitch depuis. Ça fait 2 ans qu'elle a parti son Twitch, mais elle était musicienne vraiment avant, là. Non, tu connais pas Andy le Frenchie? Ben, écoute, moi, personnellement, je l'adore. Elle fait de la musique humoristique aussi. C'est un peu comme des tunes à la François Pérusse, là, si tu veux, que c'est rigolo, c'est humoristique. Moi, je l'adore pour vrai, Andy le Frenchie, si tu veux aller l'encourager, c'est une streameuse. Elle a commencé en anglais il y a 2 ans parce que, ben, la musique au Québec, c'est pas super. Encore moins sur Twitch d'aller chercher une communauté québécoise francophone. Fait qu'elle a vraiment commencé son stream en anglais, le plus. Puis, plus que ça va, plus qu'elle commence à avoir une communauté vraiment plus de francophones. Mais sur son stream, puis parler en français, en anglais, comme elle dit, du franglais, le nouveau mot que j'ai sorti hier, elle l'a trouvé bien drôle. Fait que tu peux y parler en français, en anglais, elle a des modos anglophones, francophones, puis zéro problème. C'est vraiment génial, pour vrai.
Elle a un album sur Spotify, si jamais tu veux aller voir son album. Moi, je me tords de rire parce qu'elle a fait son album en pandémie. Fait que, ben, juste de même, il y a une toune sur le télétravail qui rit un peu ben, qui rit, qui parle du télétravail, mais tellement tordant, là. La COVID, en tout cas, regarde, c'est des choses d'un peu de tous les jours de la vie. Pour vrai, moi, je l'adore, là. Ouais. Ben, m'a te laisser aller parce que sinon, moi, je vais continuer de jaser forever. Fait que là, on va dupliquer mon œil parce que là, on a besoin d'un autre œil, hein, n'est-ce pas? Fait qu'on va dupliquer mon deuxième œil. On va cacher le premier. Big. Big. Puis on va faire un miroir sur les X. Puis là, on va le tasser de l'autre bord. Coucou. Et voilà, il est rendu avec son œil. Oui, tu y vas pour vrai. Ben, c'est correct, mon cher. Merci encore d'être passé. Puis on se rejase bientôt. Gros bisous à toi. Puis tu donneras des gros bisous à tes cocos aussi. Je sais que ça grandit vite. Bonne journée. Bon, fait que là, on a deux yeux. Yes, sir. On a deux gros yeux. Là, on va juste s'assurer qu'ils sont quand même pas si pires à la même place. Le plus possible. Le prochain Pokémon, oui, je crois que je vais faire celui de Urgent Pigeon. Le prochain, je me souviens plus c'est quoi. Je vais checker mes notes. Rowlet, qui est le hibou. H-A. Mais moi, je veux pas faire juste une grosse boule. Je veux qu'il y ait les ailes qui puissent actuellement ouvrir. Comme c'est en 3D, ben, je peux pas le dessiner. J'efface les ailes. Fait que je vous épargne. Allô, Urgent! Comment ça va? Mais oui, le prochain Pokémon que je fais après Joltik, garde, je vais te le montrer avec un peu de couleur. Je vais te montrer tous ces petits morceaux. Regarde bien ça. Comment est-ce qu'il rend-tu beau? On va y mettre de la couleur. Gabin, gabin. Ah non, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Ah, c'est parce que j'en ai un trop. J'ai mon backup. Yo, mon backup. Enlève le backup. Bon! Voilà, c'est le petit Pokémon Joltik. Mais oui, le prochain que je veux faire, c'est le tien. Il fallait bien que tu te manifestes. Ben oui, mais c'est bien correct. Je comprends que le monde y écoute en même temps de travailler. Je comprends ça tout à fait. Moi aussi, je fais ça souvent, me mettre en l'heure puis faire du travail. Mais oui, le prochain, ça va être le tien. Merci. Il manque son œil. Là, je t'ai rendu à ce point-là il manque un œil, là. Je suis rendu au point de copier le deuxième petit œil pour le tasser de côté. Mais oui, il est vraiment bien. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Regarde, là, j'ai même réussi à y faire tout de suite que les yeux, ils vont se fermer. Là, on ne voit pas super bien à cause de la couleur. Mais si on se fie juste, là, il va avoir les yeux qui vont pouvoir fermer. Fait que ça, j'ai déjà seté ma patente avant de tout bouger puis de le placer comme je voulais parce que je voulais que. Les points du centre d'origine de mon modèle restent à la bonne place. Fait que, oui, fait que là, je t'ai rendu au point de placer son dernier œil. Comme ça, on le copie avec Shift D. Puis, on va y faire un petit miroir sur les Y. Et après ça, on va faire. Ah, ben, c'est simple comme bonjour. On va y mettre un moins à l'avant. Tada! Là, il est tassé de l'autre côté. Fait que là, on est rendu. Il a tous ses yeux. Ah, coucou! Les pupilles sont peut-être un peu grosses, par contre, de l'œil d'en haut, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, là. J'ai l'impression que les pupilles de celui d'en haut sont un petit peu trop gros. On va réduire un petit peu le pupitre. Je le trouve un peu trop gros, comme ça. On va prendre ça. Mais qu'on va faire un S après. Diminuer, là. Qu'est-ce que ça a l'air de ça? Ouais, c'est ça. Il n'y en a pratiquement pas de pupilles. Regardez, là, je pense que là, ça va avoir plus d'allure de même. Ça paraît beaucoup moins. On va faire la même chose sur le deuxième. Parce que là, comme j'ai déjà copié, il va falloir que je les fasse séparément. J'aurais pu soit déliter cet œil-là, casser sur l'autre. Recopier à nouveau ou modifier celui-là direct. Fait qu'on va y aller comme ça. C'est quand même pas si mal non plus. Non, je vais
d'être transparent. Et voilà. Beaucoup mieux. On s'enlève dans le mode. Hey, il est vraiment cute. Pour vrai, là, je ce trip. J'aime beaucoup. Il est vraiment de toute beauté. Regardez, on va même se faire du fun. On va y faire un petit rendu. Rendu rapide de l'image. Tout est déjà placé. On va faire un petit rendu. Pas super long. Bon, non, il veut pas à cause que je le backup. Mon body que j'avais fait, tu sais, vous vous souvenez, j'avais fait un body en backup. Il faut que je l'enlève de la visibilité de la caméra. Là, pour que vous soyez capable de le voir, là, juste pour là, on va faire un x4. On va le mettre en plus gros, x4. Voilà, on va y faire un petit rendu. Aha! Ah, puis j'ai oublié aussi d'enlever mon backup de mes yeux. On va enlever les backups de les yeux. Bingo! Le voici, le voilà! On va avancer la caméra un petit peu aussi, parce que là, si je me mets en mode caméra, elle est loin un peu. On va s'avancer. Coucou! Coucou, Joltec! Est-ce qu'on la met aussi? Tiens, regarde, on va même la bouger un peu. J'ai dit que je veux que tu te lock. Je veux que tu te places dans une autre position. Voilà. Comme ça. Je sais pas si Shiro l'a vu. Parce que là, dans le fond, j'y ai mis la couleur aujourd'hui. Hein? Fait que la dernière fois, quand on s'est laissé mardi, il n'y avait pas encore de couleur. Il y avait juste le body. Puis je venais de commencer à faire les pics après ses pattes. Fait que c'est aujourd'hui qu'on a mis de la couleur, que j'ai pu faire les yeux, j'ai fait les pics. En haut, là, les yeux, etc. Alors, on va débloquer. Comme ça. Mais non, je vais lui montrer. Au pire, je vais peut-être y envoyer un message tantôt avec. Ouais, ben, je vais. Non, mais je vais le faire même avec toi, là. Tu sais, dans le fond, mec, j'ai fini de faire. Ben, tu sais, je pourrais même prendre cette image-là, faire le rendu, puis lui envoyer par Discord, là. C'est probablement ça que je vais faire. Tu sais, regardez ça, c'est beau! Ça va finir, ça finit bien la session de modeling aujourd'hui. Puis là, regardez mon côté perfectionniste, là. Je vois que c'est là, il n'est pas tout à fait collé dessus la patte. Il y a un espace, puis j'aime pas ça. Oh, pas d'espace! Merci, merci. Je suis quand même satisfaite du résultat. C'est comme je disais tantôt. Une des raisons pourquoi que j'essaie d'éviter. De toute façon, les Pokémon. Il n'y a pas beaucoup de texture dessus, tu sais, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de. C'est pas comme de la roche, de l'asphalte ou du bois avec des lignes dedans. C'est vraiment une couleur unie. Fait que ça m'économise beaucoup de temps de pas avoir à faire les UV. Tu sais, quand tantôt on parlait des UV, là, de tout déplier, découper comme coudre un chandail. Ça, là, j'ai pas besoin de le faire. Fait que ça m'économise beaucoup de temps pour. Onyx et compagnie, c'est de la roche. Oui, mais justement, si mettons je me mettrais à faire Onyx, si je voudrais donner un look un petit peu plus réaliste, j'irais chercher une texture de roche. Là, j'aurais besoin de faire les UV pour pouvoir y donner une belle texture de roche sur le Onyx. Puis ça y donnerait un look plus réaliste, tu sais, vraiment comme les variations de couleurs qu'il y a dans la roche, parce que c'est pas une couleur unie de la roche. Mais Joltik! La plupart des Pokémon, c'est rare d'habitude, bon, en tout cas en dessin animé. Tu sais, c'est sûr, là, si je voudrais pousser un peu la patente, dire, ah ben là, le Joltik, je veux qu'il y ait un espèce d'effet de poil dedans. Là, on va jouer avec les UV. Là, il va falloir découper. Là, il va falloir, tu sais, mettre. Mais je pense que pour ce qu'on en a de besoin, on veut pas qu'il soit en super gros non plus. Je pense pas mettre une texture de poil. J'ai fait exprès pour remodéliser les espèces de pics. Fait que je trouve que y a plein de l'allure comme ça. Là, ce qui va rester à faire dessus, ça va être d'y faire le rigging, d'y faire son squelette, parce que là, en ce moment, c'est une coquille vide. Je peux pas l'animer comme je veux. Tu sais, oui, les yeux sont animés simplement parce que dans le fond, la façon que je l'ai faite, c'est simplement le modèle, le mesh qui s'écrase sur lui-même. Sur un axe, puis qui rouvre facile. Mais là, si je veux être capable d'y bouger les pattes, puis d'y bouger les mandibules, ça va quand même être relativement simple comparé à un visage.
Parce que je sais pas si vous avez remarqué, dans votre visage, vous avez tellement de muscles que là, vous avez les joues qui déforment, vous avez les coins de la bouche, vous avez votre menton qui peut bouger, les sourcils. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à mettre, tandis que lui, ça va être vraiment là, mettre des bombes pour les mandibules, bombes pour les pattes. Ça va être quand même relativement easy. Mais pour aujourd'hui, on va le sauvegarder comme ça, hein, sauvegarder. Je vais même faire un petit rendu de finale pour vous laisser sur cette belle image. Et on va se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, est-ce que je vais faire le rigging devant vous de ce Pokémon-là? Je ne suis pas sûre. Je pense que je vais faire la modélisation. J'ai sauté sur le rigging un peu plus tard. Ben, je pense que la semaine prochaine, mardi, on va commencer avec un brand new Pokémon. On va faire le Pokémon de Urgent qui est avec nous. On va faire Rowlet. J'ai déjà toutes mes images encore une fois comme la dernière fois. Je vous évite comme tout le struggle de trouver les images de référence parce que c'est long, c'est plate et c'est ça. Fait que je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une magnifique journée. On a quand même du soleil malgré le froid. Et on se redit à bientôt, à mardi prochain. N'oubliez pas, demain, Mario, en avant-midi, il fait quelque chose de spécial. Il fait l'info à Z pour vous parler de qu'est-ce qui s'en vient au niveau des sorties de Pokémon, pour les cartes, on s'entend, pas les jeux vidéo. On parle vraiment au niveau des cartes Pokémon, des cartes Magic, qu'est-ce qui s'en vient dans le RPG, au niveau de D&D, au niveau de Warhammer, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est en pré-order, etc. Fait que si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde du board games et TCG et compagnie, retrouvez-le demain matin. Non, c'est pas demain matin, je suis désolée. 1h15 demain après-midi. Je suis trop habituée avec moi qui fait ça le matin. Fait que retrouvez-la à 1h15 demain après-midi. Et je vous souhaite une magnifique journée. Moi, je vous adore. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle. On va aller raider. En attendant, on va aller raider notre ami. Qui est-ce qu'on va aller raider aujourd'hui? Oh, on va aller raider Carlito. Il est là présentement. GSF, on lui a déjà fait un raid. Fait qu'on va aller voir Carlito, qui était préfère de la musique. Je suis pas mal sûr que vous le connaissez déjà, mais si vous le connaissez pas, c'est un streamer de variété qui est un grand champion, de super champion de la face des internets. Ben, je vous laisse avec lui. Bye bye! Dans 10 secondes, on va partir sur.